Bonsoir tout le monde, c'est Kazuki. Et Marika, bonsoir. Et ce soir, on se retrouve immigrés. Immigrés. Toute l'après-midi sur le jeu. Hop. Alors, le chat marche, ok, ça c'est bon. Bon, bienvenue à toi, Namba, Ishans. Alors, Ishans qui nous dit toute l'après-midi sur le jeu est vraiment pas simple à prendre en même. Ah, on va voir ça ce soir. Ouais. Mais on va vous faire un petit peu. On a déjà reçu le collector, oui. Ouais, le collector, on l'a reçu, on aurait dû faire la vidéo hier déjà. On a eu un petit souci de technique. Ouais. Donc, on n'a pas pu vous le faire ce soir, on se rattrape. On est resté comme deux couillons et on était prêts. Et puis, Free n'a pas voulu marcher. C'est ça. Donc, on a dit Free va te faire enculer. Et on a immigré dans mon deuxième appart. Donc, avant de vous parler et de vous faire l'unboxing du collector, on va laisser un peu parler Marika, parce que pour le coup, moi, Tsubasa, effectivement, je l'ai connu quand j'étais jeune, le club d'eau, Olivier Tom, mais c'est pas non plus une... Ouais. Passion. Non. Je l'ai suivi à l'époque, mais tandis que toi, par contre, hein. Ben, moi, ça j'ai commencé à l'âge de 12 ans. Et c'était mon premier manga, je découvrais justement le manga. Et qu'est-ce que t'allais foutre à une fille à l'époque avec un manga de foot? Alors bizarrement, je sais pas pourquoi ce qui m'a attiré vers cet animé, mais ça m'a de suite plu. Je sais pas vraiment quoi en dire. Les codes du shonen? Ouais, bah en fait ouais, c'était vraiment le shonen. Déjà quand j'étais plus jeune, j'aimais pas le shoujo, donc j'étais un peu garçon mangué. J'aimais tout ce qui était justement manga pour garçons, donc shonen. Et ouais, j'ai connu Olivier Tom, donc du coup en français. Au club d'eau sur la 5, toi, tu as connu en rediff, toi. Avec Midi les Zouzous. D'accord, ouais, c'est bien plus tard. C'est 2002 que j'ai dû voir ça. Alors, rappel, elle est moins vieille, Marika, quand même. Petite jeunette comparée à moi. Donc, effectivement, t'as connu la rediff. La 5ème, ouais. Mais c'était en français quand même sur la 5 à cette époque-là. Ah oui. C'est vraiment Olivier Tom, ils avaient raison. Oui, c'était Olivier Tom. Tom qui est pas là, mais c'est pas grave. Donc j'ai connu ça sur la 5, oui, les années début 2000. Mm-hmm. Et par la suite, j'ai su qu'il y avait le manga. Ouais. Et, donc, le manga devait être déjà sorti chez Pika à l'époque. Ah, pas Pika, c'était Gélu. C'était Gélu à l'époque, ok. Pas Pika, Gélu. La première saison était de 37 tomes. Et la deuxième, 18 tomes. D'accord. Michin, c'était un vieux, toi. C'était Club Do. T'es plus près des 40 que des 30. Moi, je suis plus proche des 30. Lui, il était fan de Landers. Ouais, moi aussi. Mark Landers. Ben, moi, j'ai aimé Landers. Kojiro Yoga. Yoga. Ouais, je m'excuse d'avance pour mon accent pourri pour tout ce qui est japonais, anglais. Je sais pas. Tashi no atsu, nyongo ni, enfin, nyongo no atsu ni tsuite, chotto, warui kara. Comme il dit. Sumimasen, ga. Suzuki nasai. Tu peux continuer. Ouais, donc du coup, j'ai découvert du coup, le manga d'Olivier Tom, Captain Tsubasa. Avec ce premier tome-là. Donc c'est la deuxième saison. Et donc là, on retrouve vraiment toute l'équipe. Alors 18 ans, donc ça doit se passer vers le lycée. Quoi. Et je crois que le jeu, il est au lycée là, puisque c'est déjà leur troisième finale, troisième coupe dans le jeu. Donc on verra après, un peu. Bon, après ils ont tellement repris les mêmes équipes contre les mêmes les équipes étrangères. Donc ça, c'est mon tout premier manga pour l'anniversaire. J'avais 13-14 ans. C'est 5 qui a survécu ça ou c'est racheté ça? Non, c'est bien. D'accord. On va le mettre devant quand même. Pour que, ouais, que les gens ne croyaient pas, que vous inquiétez pas, il y a un unboxing après. Il est là. Ah, je me cache derrière. Tu fais Pierre Belmar et je sais plus comment il s'appelle la brunesse. Tout à fait, Thierry. Non, Thierry, il est mort, personne. Ouais, donc voilà, l'aventure a commencé avec Olivier Tom.
Et c'est comme ça que je suis devenue fan de manga. Donc j'ai rencontré monsieur là. Dans un magasin de manga. De manga, oui. Voilà, le monde est petit. Il y a 14 ans. Comment ? Il y a 14 ans. Oui. Ça passe. Oui. Ça ne rajeunit pas. Non, c'est pas grave. Donc toi, par contre, t'as été vraiment plus l'anime et le manga, tu t'es mis par la suite. Hein. Oui, moi, c'était surtout l'anime que j'ai vu dans sur la 5. Que je rappelle, il y a 123 épisodes, je crois, ou 128. T'as les DVD. On les a pas pris, parce qu'on a pas tout déménagé, mais elle a pris que quelques pièces. Hein. Donc oui, j'ai... Ça, c'est... ce que t'as en main, c'est les films. Donc, films 1 et 2... Et ça c'est 3 et 4. On voit que c'est vieux, c'est du TF1 quoi. Sorti chez TF1 à l'époque ça. Ben, c'est sorti en 2006-2007 je crois. La Coupe du Monde. C'était pour la deuxième Coupe du Monde ça. Ça devait être un rapport avec Coupe du Monde ça. Il faut savoir qu'en France on a eu juste les 4 films sur 5. D'accord. Et le 5e est contre la Hollande qui est considéré comme le meilleur film. On l'a pas vu. Ah, pas vu. Après, on n'a pas eu tous les animés en France aussi. Hein. Y a Captain Tsubasa J, qui est sorti en les années 90. J pour le J-Star ou J pour le Jump? J pour Junior, je crois. Pour Junior, ok. Aucun rapport avec le Jump. Je crois que c'est ça. Après, ma mémoire me fait un peu défaut. Et justement, ça reprend un petit peu la deuxième saison du manga. D'accord. Parce qu'on voit un nouveau personnage. Oh, insulu. Ça, c'était les derniers trucs que je voulais montrer. Ah, c'est pas grave, je t'ai fait un soutien, c'est le Hoenn. Oui. Hoenn, salut. Donc, j'ai montré tout ce qui est manga, du coup. Vas-y, c'est ton live. Moi, je te dis, moi, je suis Simone. Je sais pas comment ça s'appelle, celle qui présentait. Non, en route Simone, c'était avec Guilux. Je sais pas comment ça s'appelait, celle qui présentait. Avec Belmar, si vous le savez, dans le chat. Hein. Voilà. Moi, je monte le collector, parce qu'on a marqué quoi. Quand il y a eu, une fois que ça a été fini, ça, la deuxième saison, ils ont sorti les one-shots. C'est les one-shots, hein. Ah ouais. Ouais, Special Edition. Donc c'est toujours chez Gélu. Ouais, Captain Tsubasa. Et il y a deux autres histoires inédites de boxe et de ski, je crois. D'accord, bah là j'ouvre déjà, je tombe sur du ski. Quoi. C'est vrai que je m'emmerde à vous montrer là-dessus depuis tout à l'heure, c'est que j'ai oublié quand vous a fait ça. Attendez. C'est chier depuis tout à l'heure alors qu'on est en gros plan. Excusez-moi. Comme d'habitude, hein, le live boulé. Ils verront peut-être mieux là. Je m'emmerde depuis tout à l'heure, mais. Ouais. Vous voyez peut-être mieux, non? Hop. Peut-être un peu mieux comme ça. Donc ça, c'est toujours début 2000. Ensuite, on a eu celui-là. Oui, je te laisse montrer, maintenant il le voit. Faut que j'arrange un petit donc peu mes écrans. Ça, c'est sur Ben Baker, pour ceux qui parlent français. Voilà. Et donc, il y a une histoire inédite sur ce personnage. Et deux autres one-shots. Attendez que je ne confonde pas. Vous l'entendez bien, Marika? Parce qu'on marche avec un micro à l'heure actuelle. N'hésitez pas à faire des retours sons. Un autre sur le ski. Et un autre sur... Le basket, je crois. Ouais, le basket. Attendez, hop. Voilà. Ah, comme ça, vous la verrez un peu mieux, vous l'entendrez mieux. Et par ailleurs, la première... Oula, il y a tout qui tombe. La première série, on va dire, enfin la première saison de Captain Tsubasa en manga était sortie chez J'ai lu. Un 37 tomes. Ouais. Et ils ont ressorti ça il y a quelques années, il y a 3-4 ans peut-être. D'accord. Chez Glénat. Mais je les ai oubliés encore. Ouais, mais tu les as tous quoi. Ouais. Ouais, t'allais pas tout redéplacer parce qu'elle a deux étagères remplies de Tsubasa donc. Oui, encore, j'ai pas tout mis sur mes étagères. Oui, t'as pas eu la place. Faut que j'achète des étagères encore. Ce manga. Alors, c'est pas Mark Landers, hein, je précise. Il ressemble. Il lui ressemble, je pensais que c'était un manga sur lui, mais pas du tout. Le loup du stade. Le loup du stade, ouais, c'est un garçon qui veut faire du foot. Et c'est en deux tomes.
D'accord. Bon, on reconnaît bien le trait de Takahashi, ouais. Taza. Bon, de toute façon, l'auteur, il reprend les mêmes traits. Des fois, t'as l'impression que c'est Olivier ou Marc, mais c'est un autre personnage. Ouais, c'est comme Fairy Tail, il a beau dessiner autre chose, c'est toujours du Fairy Tail, quoi. Par la suite, ils ont sorti, toujours chez J'ai lu, ce manga-là. C'est une histoire d'une amitié de deux potes qui font du football aussi. Et il me semble qu'il y a une histoire d'amour aussi. Ils sont amoureux de la même fille. Ah, triangle amoureux. Ouais. Magnifique. Très japonais. C'est ça. Et bon, je vais pas tout spoiler, mais moi j'avais bien aimé. Attends, on va montrer quelque chose. Sankaku. Voilà, là, je pense qu'ils voient bien maintenant que j'ai mis le bon écran. Ouais, mais vu que j'ai mes doigts en plein milieu. Voilà, et il me semble qu'il y en a une autre, ouais, à la fin. Et il y a une autre histoire à la fin, ça, il y en a deux, ouais, c'est ça. D'accord. Je suis tombée sur la page, mais... Bon, c'est pas grave, hein. Enfin, voilà, il y a deux histoires là-dedans. Et une fois qu'ils ont sorti Le Loup du Stade et celui-là, ils ont ressorti les trois ensemble, enfin, je n'ai pas le deuxième. Ils ont sorti les trois ensemble dans un fourreau. Fourreau. À 15 euros à l'époque. Fourreau. Fourreau. Elle veut vous sortir les prix de l'époque, hein. C'est madame chiffre. Non, pas du tout. Je vois pas de quoi tu parles. Tu peux parler, toi, avec tes chiffres. Et enfin, donc, un autre manga sorti chez Asuka. Feu Asuka aussi. Asuka. Asuka. Feu Asuka. Ils sont morts. Toujours les mêmes auteurs, bien sûr. Angry Heart, c'est ça? Angry Hearts, ouais. Ouais. Angry Heart, même, il n'y a pas de S. Hein. Angry Heart. Ouais. Connais pas. Toujours sur le foot. Toujours les mêmes auteurs. Là, c'est un rouquin, tu vois. Là, il a un peu innové. Il a fait un roux. Ouais, il a fait un roux. C'est celui-là qui a un 6 tomes, c'est ça? C'est un 6 tomes, ouais. Salut à toi, Aslan. Et il y a eu l'animé chez Mabel. Mabel, d'accord. En 3 tomes. Enfin, 3 volumes. Ah, vous venez pour The Switch et vous avez l'intégrale de Tsubasa, au moins vous allez apprendre un peu plus. Je sais pas si vous y voyez bien. Oh, je pense qu'ils y voient quand même, pour une fois. Donc voilà. Il y a toujours des décors à la con avec moi, donc ils sont habitués. Donc ça, après un animé, j'ai rapporté... Donc les films, vous les avez déjà vus tout à l'heure. La deuxième saison sortie en France sous le nom de Captain Tsubasa Le Retour. Ou Olivier Tom Le Retour. Ce qui correspond au Japon à Captain Tsubasa Retour 2002. D'accord. Sorti en 2002 du coup. Et donc ça, j'ai la première version française. Qu'ils ont ressorti ça en version gold. D'accord, ouais, donc chez Déclic. Là c'est AB. Là c'est AB, mais après c'est Déclic qui a sorti en gold. C'est AB, ouais. D'accord, ils ont racheté les droits, ok. Je sais pas si vous y voyez, mais les refaire. Donc ça a hérité, au final, c'était réédité comme une fois, Captain Tsubasa. Il a fait pas mal de reboots, quand même, graphique. Hein. Tu veux dire en animé ou en version? Ah, en animé, ouais, parce que les mangas, il a fait aussi. Alors, en animé, il me semble qu'il y en a 4. 4 reboots. Attendez. Celle des années 80? Ouais. Les années 90? La tienne? Non, celle qui n'est jamais sortie en France. Ah, il y en a une qui n'est jamais sortie en France. Voilà, après il y a 2002. Ouais. Et il y en a une qui est sortie en 2018. Qui est actuellement aussi, on peut le voir sur TFM. Elle n'a pas révisé, elle fait ça peut-être comme moi. Hein. Voilà, sauf que je connais rien, moi. Pour le coup. Moi, c'est vraiment avec la mémoire. Donc, et puis il se peut que je me trompe aussi sur certaines informations, ça va. Mais ça m'étonnerait. Enfin, normalement, non. N'hésitez pas à la corriger dans les commentaires. Voilà. Ou pas. Je suis une vieille, il ne faut pas l'oublier. Oui, mamie. Oui, papy. Ensuite, on a les figurines. Ah, parce que là, vous n'avez rien amené, parce que des figurines, là-bas, il y en a un paquet. Mais il y en a une grosse, elle l'a pas, celle-là, encore. Hein. Non, mais j'ai les plus jolies. Enfin, un concours, qui c'est qui est la plus belle? Figurine, bien sûr. Ici, la plus belle. Oui, c'est ça. Allez, Marika, montre les petits. Donc ça, c'est des gachas C'est des dreading. Enfin, je sais pas comment on dit.
Alors, Winiman Namban, il dit que sur YouTube, on peut trouver les épisodes Tsubasa. D'accord. Ils ont leur chaîne. Ok, ça peut être Strike, c'est l'officiel. Si, la première saison, oui, effectivement, elle est celle des années 80 que t'as vu sur Club Do. D'accord, ouais, parce que les droits ont traîné là-dedans, quoi. Donc voilà, donc ça c'est mes toutes premières figurines de la série. J'ai la chance d'avoir les boîtes. Donc ça c'est la première partie. Et ça c'est la deuxième partie. Et à l'époque ça se vendait... C'est sorti en quelle année ça? 2002-2005 à peu près en France. D'accord. Et c'est celle-là où t'as les personnages cachés? Au hasard, quoi. C'est ça. Je les ai à l'intérieur. D'accord. Elles sont pas montées, mais on peut les montrer. Non, non, mais tu peux montrer, ouais. Donc voilà, pour ceux qui connaîtraient pas les... C'est Roberto. Les gachas. D'ailleurs, pourquoi Roberto? Quelle est l'inspiration de Tsubasa? D'où ça l'est venu, Olivier Tom? Le mangaka était fan de Maradona. Mm-hmm. Et par la suite, il a créé ce manga. D'accord. Donc c'est pour ça que justement ce personnage qui est l'entraîneur d'Olivier a joué attaquant au Brésil, quoi. En tout cas, tout part de Maradona. D'accord. Voilà. Ça... Mais il n'a pas fait un hommage, il apparaît pas dans un épisode qui a été censuré chez nous. En fait, c'était justement, j'ai pas parlé du manga, mais il y en a eu plein. Nous, on a eu que deux saisons. Ouais. Et la troisième saison, qui est donc celle de 2002. Mm. On y voit Trezeguet, Zidane. Ouais, après la Coupe du Monde, quoi. Ouais, ça c'est des vieux personnages, je sais pas s'il y a des jeunes, ouais, ouais, pas connu, mais ouais, mais... qui sait. 98, les gens. Rappelez-vous, c'était à l'époque. Et ouais, on était jeunes. Après ça, il y a eu une droit de l'image. Ouais. Du coup, ça a été censuré en France, on n'a jamais eu la suite. D'accord, donc ils avaient continué. Il y a eu plein. Il y a eu Millennium, il y a eu Golden. Il y en a eu un manga sur Mark Landers. D'accord. Oui, donc au final, ça a toujours vécu au Japon, ça s'est jamais arrêté. À mon avis, ça tourne encore, là. Bah, visiblement, ça tourne avec la prochaine Coupe du Monde. C'est pour ça qu'on a eu ce jeu développé par Tamsoft, édité par Bandai Namco. Avec la France et la Coupe du Monde. D'accord. Et entre parenthèses, il y a eu des pyjamas Kiyabi pour les petits. À l'époque ou maintenant? Non, maintenant, à ce moment-là, oui. Ouais, donc on va bouffer du Tsubasa pendant 2 ans, quoi. Jusqu'à l'année prochaine, ouais. Ouais, jusqu'à la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde. Alors, t'as Nambam qui te demande si t'as pas acheté la figurine de Tsume de Mark Landers. Non, récemment, t'as pas acheté de figurine. De Tsume. Ça, c'est le... Non. Ça doit être une grosse figurine, je pense, si c'est Nambam. Non. Ça me dit rien. C'est peut-être une récente, si t'en parles, c'est qu'il a dû le voir récemment, je pense. La dernière que j'ai achetée, ça doit être en 2013, je crois. Bon, elle est là. C'est la seule. Non. T'as quoi d'autre à nous montrer avant que l'on voit le collector quand même. Et ensuite, ouais, c'est les plus petites. Toujours dans leur boîte. Si je peux vous montrer la boîte. Ouais, parce qu'en général, les gens les jettent, quoi. Et que... Non, on les a jamais, c'est ça le truc. C'est que dans les magasins, ils les vendent de montée, ouais. Moi, à l'époque, à Toulouse, c'est vrai que les boîtes étaient... Ils les gardaient, mais c'était pas obligatoire. Moi, j'aime bien avoir les boîtes. Carton, c'est la vie. Et ça se vendait entre 4 et 10 euros à l'époque. Et ça, c'est quelle année, ça? C'est entre 2010 et 2012. Mmh. Tiens, vu qu'il y en a en bas, on va y montrer Mark Landers. C'était quoi, le nom de son tir? Le tir du tigre. Le tir de tigre. En japonais, ça va être un peu différent. Ouais, t'as le tir du tigre foudroyant aussi. Kazuki, t'as de la place, t'as pas chez le babyfoot. Mon dieu, il est tombé. Eh, il est tombé sur l'épaule. Il est tombé sur l'épaule, ça va. Ouais, tu m'étonnes qu'il ait fracturé son épaule. Il est pas tombé sur la cheville, heureusement. C'est ma faute. Tiens, ça aurait été la version chinoise, quoi. Ouais, elles sont mignonnes, les petites figurines. Je les adorais. Ouais, c'est du style kawaii, quoi. Et chibi, quoi. Ouais, il y a toute la série, là, sur le papier. Et ça a plus été édité maintenant, c'est fini ça. Aussi. C'est plus édité ça maintenant, on les trouve plus, quoi. Non, tu les trouves plus. Voilà, pour les amis collectionneurs. Il n'y a que ceux-là que tu peux peut-être retrouver. Ce que j'ai montré là. Mm.
celle-là, ben, en même temps, je me suis plus intéressée à tout ce qui est eBay, tout ça, j'ai pas regardé. J'en ai tellement aussi que. C'est bon, vu que j'ai tout ce qu'il me faut. Ok. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ok, ben on va passer. Maintenant qu'on les a bien endormis. Je les ai endormis. Mais non, vous avez aimé ça. Ouais, je vous amène une experte au moins. Hein. Ça va pas être comme tous les glandus qui viennent faire une vidéo sur Tsubasa. Là au moins, vous avez une vraie fan qui va suivre. Ouais, peut-être qu'on fera une petite partie tous les deux en fin de live. Ouais, pas de peut-être, on va le faire. On va le faire. Ouais. moi, je suis plus là, je suis juste caché. Je suis pas la belle qui montre les figurines et je vais jouer moi. Tu fais même là, tu commences si tu veux. Hein. Alors, on va faire l'unboxing de cette version Switch. Donc, il est quand même vendu à 122€. Donc, on va voir si ça vaut ces 122€ ou pas. Hop. Tiens, je te laisse mettre le four de l'autre côté. Tu peux l'emporter? Pff, oui, on le ramènera chez nous, de toute façon. Hein. Oh, mince. Tu mets sur le balcon. Sur le balcon, quel balcon? Il y a plein de balcons. Donc la boîte est plutôt sympa. Donc on voit les deux tags des équipes. Donc la Toro de Mark Landers. Hop. Et de l'autre côté, le Nankatsu. Donc à l'époque, nous c'était la New Team et en français. C'était la Toro même en français? Oui. Ils ont changé que Nankatsu, c'était la New Team. D'accord. Donc là on voit bien la New Team. Nankatsu. Et puis forcément, pour les fans de Landers. Excusez-nous pour les reflets. Hop. Donc la boîte est plutôt quali quand même. En général, on a toujours des fourreaux dégueulasses et des boîtes vraiment en carton. Là, pour le coup, Namco Bandai a quand même fait les choses bien. Hop. Je te l'ai fait passer ça. Il y a des gens qui voient l'intérieur. Donc effectivement, quand on ouvre... C'est trop beau. Hop, donc ça doit être un artwork, je pense. Ouais, on dirait le vinyle. Ouais, mais non, pour le coup, ça fait visuel de vinyle. Que c'est bien présenté. Oh. On a juste ouvert pour enlever les blisters, etc. Pour vous présenter, ce sera plus facile pour nous. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop regardé non plus. On était coupé dans notre élan hier. Donc bah on est resté comme deux couillons, on était prêts à... Donc le steelbook. Alors pour le coup, ils ont marqué le nom dessus, Tsubasa, mais il faut le voir quand même. Ah, c'était une pigne. Ouais, c'est pas une pigne, c'est le nom. Alors pour le voir, le Tsubasa, ils l'ont écrit vraiment petit. Ouais, franchement, si vous arrivez à le... on sait pas lire. Si vous arrivez à le lire sur la cover, franchement. Là, vous avez marqué Tsubasa. Il faut vraiment le voir quand même. Par contre, il est joli, le steelbook, franchement, format Switch. Bon, rien à l'intérieur. Mais par contre, à l'extérieur, il est vraiment sympa, quoi. Donc ensuite, le jeu classique. Hop. Le jeu classique que j'ai déjà sorti, qui est dans la console. Donc là, la version collector, il nous donne l'équivalent de la... De la version à, normalement, le jeu est sorti à 60€. Bon, on le trouve à 45€ bradé dans tous les grandes surfaces, mais le jeu est sorti à 60€. Le clair, ils le font à 45€. Voilà, mais le jeu est à 60 et la version extension avec les season pass est à 80. Et dans le collector, on a les season pass offerts. Une version extension? Ouais, bah tu sais, là, celle où t'as tous les DLC, en gros. D'accord. Alors, je vais payer. Ouais. Toc. Ça prend de la place, hein. Ah bah quand tu vois tous les collecteurs derrière, tu te doutes pourquoi une maison ça suffit pas pour tout ranger. Donc le Hero Pack. Déjà que moi je prends beaucoup de place. Ah bah avec nos deux collections c'est sûr ça prend la place. Alors on a des jolies cartes. Oh, tu me donnes? Non. Chico. On dirait les cartes qu'on échangeait à la récré. Ouais mais je pense que c'est les cartes à collectionner, c'est le même principe. Sauf que c'était Dragon Ball moi. Là, tu vois, c'est tout ça. Ça, c'est beau aussi, les écussons. Oh. Tu vois, tu peux le mettre sur ton t-shirt de la New Team. Oui, je peux le mettre dans la poche aussi. Non plus. Oh, mince.
Donc, le Nankatsu et la Toro. C'est bien fini, hein. Ah, ils ont mis vraiment du carton. Là, pour le coup, Bandai Namco, ça, ils n'ont pas fait... Ils n'ont pas fait les clochards. Je le remets dedans. Ouais, tu peux remettre dedans. Et on va arriver à la pièce principale. Là aussi, ils se sont pas foutus de nous pour le coup. Si elle est aussi jolie à l'intérieur que sur la boîte, ça a l'air assez quali quand même. Tac. Hop. Hop. On met des boîtes partout. Hop. Hop. Il y a un numéro dessus, donc je sais pas combien il est numéroté, mais là c'est quand même 71 505. Donc on voit quand même que c'était pris au sérieux quand même, on voit le peintre, le graphique, etc. C'est très rare ça quand même. Ils l'ont marqué. Enfin, je sais pas si c'est rare, mais en tout cas ils ont tout marqué sur la figurine. Vu tout ce que j'ai jamais vu ça moi. Là ils ont tout marqué, donc c'est quand même quelque chose d'assez... Ouais, ça fait carton recyclé un peu, mais franchement... Oh. Oh mon dieu, comme il est grave. Ah, c'est une belle bête comme dirait l'autre. Oh ma belle bête. Oh, des boomerang. Ouais, le socle, est, ouais, en général, ils font des socles ronds, là, ils ont essayé de faire quelque chose d'un peu plus... on va mettre un peu plus près. C'est, moi, j'ai toujours vu hexagone. Alors, est-ce qu'il va me falloir un couteau ou est-ce que je vais pouvoir le dépister comme ça? Il va falloir que j'aille chercher. Non, c'est bon. Une lime? Je sens la lime? Non, c'est bon, c'est du scotch qu'ils ont mis. Tu peux le voir que d'un côté, hein. T'es pas obligé de tout ouvrir. Hein. Non, non, non. Attends. Ça arrive, hein. Pas de panique. Quand même que j'ouvre un peu plus. En fait, si, ouais. J'ouvre un peu plus au-dessous quand même. C'est le problème des figurines. L'ouverture. Ah, ils mettent un scotch qui est costaud quand mais même. Des fois, il y a des scotchs tellement transparents que tu les vois pas aussi. Ouh. Voilà. Enlève la couverture. Toujours quali, on voit que les Japonais, quand ils mettent des figurines, c'est toujours. Il y a toujours ce papier de protection. Ouais, la finition est belle quand même. Je se marie qu'alors avec, hein. C'est gentil. Oh, franchement, la figurine, ils nous ont pas mis du bas de gamme. Elle est un peu lourde quand même. On dirait qu'il sort d'un animé. Ils ont fait vraiment des jambes très 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 très, très longues. Ouais, c'est les jambes qui sont bien longues, c'est pour ça qu'il est grand. Ouais, ouais, il est bien fait franchement. Ouais. La peinture est vraiment quali, quoi. Il pourrait presque faire le live avec nous, quoi. La bonne taille, quoi. Ouais, il est propre, franchement. Il peut dormir avec. Oui. Ah, il peut rentrer, quoi. Il fera une place ce soir. Non, franchement, la finition, même au niveau du drapé, du maillot, c'est quand même... C'est du plastique, c'est du PVC, mais je sais pas, elle fait lourde quand même. C'est du granista. Du granista, c'est quoi du granista? Je connais pas. C'est pas le... Grandista, c'est le... C'est les mecs qui ont fait la figurine, sur la boîte, c'est marqué. Ah, c'est... Oui, pardon. Grandista. Grandista. Grandista, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Mais il manque un D, c'est pour ça. En tout cas, ouais, non. Franchement, ça vaut bien, c'est... 40 ou 50 euros une figurine comme ça. Oui, 40. Mais t'en trouves comme ça de...
One Piece. Donc, est-ce que pour toi, le collector vaut ses 120 euros au final avec ce qu'il y a oui, dedans oui, oui. C'est pas du vol? Non. Bah, déjà, rien que la figurine, on a pour 40 euros. Le jeu, on a pour les 45. Oui, sauf que normalement, le jeu, il le vend de 80. Hein. Que tous les goodies qu'il y a à côté. Donc, au final, ouais. Namco Bandai n'a pas été trop gourmand. Non, ça va. L'illustration, elle est vraiment de bonne qualité. Elle est sur du papier brillant. T'as les écussons aussi. Les écussons, ouais. T'en as pour, je sais pas, 10 euros pièce. Hein. Oh, peut-être pas, les écussons, c'est 5 euros. Ils sont chers. Sont après, le problème, c'est que dès que tu tapes dans de la licence, c'est cher pour ce que c'est, quoi. Non, mais là, je pense que honnêtement, c'est 120 euros, ça doit les valoir. Je laisse fermer pour pas les. Oh, mais là, on laisse comme ça, on va commencer le live. Hein. Mets tout sur le côté. D'accord, monsieur. Hop, on va commencer le live, les gens sont venus pour ça. On est à combien de live? Hop, je sais même pas où c'est qu'on voit les paramètres. Tac, allez. On va switcher. Hop, allez. On va switcher. Ça tombe bien, on est sur Switch, donc on va switcher. N'hésitez pas à nous faire un retour son du jeu aussi. Normalement, ça devrait être bon, sinon. T'as le son du jeu, toi, Marika, c'est bon? Oui, depuis tout à l'heure, je l'ai. D'accord, mais il l'avait j'ai pas fait. J'ai la musique. Hein. D'accord. On remet un coup de. Hop, voilà. Alors. 30 milliards de contrats signés. On se croirait un joueur de foot, quoi. Ah ben, c'est ça, hein. Bon. On va pas faire de partie en live. Bah si, on est en live. Oui. Pas de connexion au réseau pour le moment. Continuez. Bah c'était hier. Ouais, hier on n'avait pas de connexion, non, rien qui marchait. J'étais dégoûté. Sono shounen wa soccer ball to tomo ni sodatta. 11 sai to natta shounen wa hikkoshite kita nankatsu shi de unmei no deiai o hatasu. Brazil soccer kai no star, Roberto Hondo. そしてもう一人天才サッカー少年ゴールキーパー若林イバンペスト、OK、この二人との出会いから少年の本当のサッカー人生が始まった。仲間そしてライバルとの度重なる激闘、その中で育まれた友情、絆、そして別れ、そのすべてが少年を強くした。運命の出会いから4年後、数々の試練を乗り越え、少年は今、14年後、世界と羽ばたく。少年の名は大空翼。大空翼。キャプテン翼。Le grand ciel, les ailes du grand ciel. 翼。翼、ça veut dire ailes, les ailes. Ouais, les ailes, 翼。Moi, j'aimais bien à l'époque du Club d'eau. Par contre, Marika, elle est vraiment une... J'ai commencé avec ça pour aimer les mangas, en fait. Ouais, ça va. Toi, c'est ton manga de cœur, c'est ton premier, quoi. C'est mon premier amour manga. À chaque fois que je le vois, je retrouve les 12 ans. Hein. C'est bon, c'est fini. Non, non, à chaque fois que je le revois, je sais comme une fois là. Mais t'as jamais fait de jeux vidéo par contre sur Tsubasa? Non. Après, il y a pas beaucoup qui sont arrivés chez nous en même temps. C'est que c'est... Sur YouTube, mais. Ouais, c'est vrai que chez nous, on n'a pas eu de jeu non, Tsubasa c'est... réellement. Non. Oh, tu es sûr. Mais c'est trop beau. Bon, c'est que si Aïga Hajimande. Donc on voit déjà qu'il y a l'équipe du Japon là. C'est trop beau. On dirait un animé. Ouais. Après on voit un peu d'aliasing sur Switch mais. Bon, si t'as supporté l'animé de l'année 80, tu peux supporter ça, je pense. Bon pour toi le retour son. Ouais. ジュニアユースワールドチャレンジ、アメリカ大会決勝戦。
日本対ドイツ世界一の栄冠を勝ち取るのは。Donc Namban nous dit qu'il y a eu que deux jeux à sur DS et celui-ci, donc nous on a réuni un point score. J'ai qu'elle avait eu sur Famicom, sur bah, PS1 ouais. Et sur... Alors on rappelle que Tsubasa au Japon c'est sorti en 83 83, ouais. Donc c'est sorti en même temps que la Famicom. Là, le manga est sorti en 83. Ouais. Ouais, c'est ça, Namban 83. France 国際ジュニアユース大会の中止、そして新たに開催されることとなったこの大会。予定は随分変更されたが、おかげでより大きな舞台で彼らは活躍できることになった。いよいよだ。翼。ロベルト。タイトルは若き皇帝カールハインツシュナイダーと率いるドイツジュニアユース。ドイツ。ザルマ。ドイツ。行け翼。行け翼。我々の大きな夢を乗せ、世界の大空に羽ばたけ、翼よ。とかさ、c'est fidèle à l'anime。みんな。Pardon, oui, je suis en train de regarder. Alors commence le match en appuyant sur B pour mettre le ballon au jeu. Passe courte avec B. Alors, l'exécution de l'attaque spéciale nécessite de l'énergie. L'utilisation de technique consomme de l'énergie sera plus lentement quand le joueur se déplace normalement et n'utilise pas de technique. Maintien R tout en dribblant pour exécuter un dribble plus rapide. Appuie sur ZR en dribblant pour activer une technique de dribble propre à chaque joueur. Active un tacle rapide avec R quand tu touches l'adversaire. Ok, le tacle. Tiens, je te fais un tacle à la gueule. On se voit qu'on est vraiment dans un jeu de foot arcade. Hein. Tu rentres dans les jats, les mecs ils volent quoi. L'arbitre il dit rien. Je suis en train de réviser un petit peu les noms. Dans la tête. Ah, tu les vois tous en bas quoi. Ouais, alors, la jauge. C'était Dani en fait, de la Toho. D'accord. Celui qui était avec Mark Landers. La jauge de tir représente la puissance d'un tir, passe longue en profondeur. Appuie sur Y quand tu es bon pour exécuter un tir cadré. Maintiens touche avancée pour remplir la jauge de tir. Plus tu as maintenant le temps, plus le tir sera puissant. Les techniques de tir sont disponibles pour la jauge pleine. C'est moi qui joue mal. Je me crois sur match de foot, moi. Mais Tsubasa, qu'est-ce que tu fous ? Et non, c'est mort. Non, c'était Tsubasa qui était derrière. Déjà c'est classe d'avoir vraiment la mise en scène est classe quoi. C'est tellement mieux qu'un FIFA. T'as créé ton avatar, quel avatar? Ah non, ah oui, mais après, là on est dans le tuto, c'est pas encore. Hein. Je me pose la question, moi aussi, pourquoi t'avais pas changé de nom? Ah, c'est parce qu'on vient de lancer le jeu, on le découvre. Hein. Mais je sais qu'il y a une campagne où tu revis, on va le voir tout à l'heure. C'est pas faux, Nambam. そうだ、ジト、
Il te repasse tout l'animé quoi. Et lui, il devient entraîneur maintenant pour l'équipe du Japon. C'est vraiment bien chier, c'est le chargement avec Waouh, ça, ce truc, ça. À côté. C'était pour nous mettre à... Donc à la fin du tuto, tu gagnes... Ouais, tu débloques des trucs. Cinématiques, musique, tout ça. Donc là, on voit un peu ce qu'on a. Hein. Donc, l'aventure, t'as les deux campagnes qui sont déjà en jouables. Donc épisode de Tsubasa et Hero, ce qu'on fera tout à l'heure. Donc Tsubasa, ils te le disent, c'est... tu revis les deux de permis de vie, deux histoires séparées. Donc suis Tsubasa, ça s'appelle plus la compétition des épreuves nationales. Et donc dans l'épisode de Tsubasa ou Entraîne-toi Hero, dans les nouvelles Hero. Voilà, donc en gros, tu joues soit là, tu revis ce qu'a fait Tsubasa, soit tu crées carrément un personnage qui va suivre Tsubasa. Donc tu commences en général, je pense, par cet épisode-là pour avoir les bases, et après tu crées ton héros. Ensuite, affrontement, c'est des matchs hors ligne, tu peux jouer jusqu'à 4. Donc match unique, tir au but et championnat, ouais, classique. Hein. Moi je pense pas que ce soit que le gameplay ressemble à du FIFA. Hein. Donc on peut jouer en ligne, ça c'est cool, mais il faut l'abonnement à l'eShop là pour le coup. Un mode entraînement, bon ça c'est dans tous les jeux de foot aussi. Donc didacticiel d'attaque, de défense, bon, ça c'est pas mal. Même si à mon avis... Ça parle de foot en fait. Bah les jeux de foot. Après il faut voir s'il est bien foutu là-dessus. L'éditeur ultime apporte des modifications aux joueurs, aux équipes que tu as créées. Là c'est plus customisé, je pense, les maillots, etc. Donc c'est avec les DLC ou les choses que tu dois gagner en jouant, je pense. Temps de chargement un peu longué quand même sur Switch. Je sais pas si sur PS4 et PC c'est pareil. Donc on peut modifier le personnage, modifier la Dream Team. Et la boutique PJ achète des paquets de cartes contenant des pièces, des objets, personnages. Ça a l'air assez complet quand même. Hein. Ils ne sont pas contentés de faire un match et puis voilà quoi. Donc là c'est là où tu peux regarder ce que tu as débloqué au niveau des vidéos et voilà. C'est un peu l'inventaire en quelque sorte. Là, il y a tout à débloquer. Et au niveau des options, qu'est-ce qu'on a? Alors, l'IA, la durée du match, les prolongations, les stades, là. Les paramètres audio. Bon, n'hésitez pas à nous faire un retour son et image hein, par rapport au jeu. Passer les scènes, configuration des boutons. Ok. Et bon, on va lancer Tsubasa. Hein. Je pense que ça va être du tuto, mais bon. Milieu de terrain de Nankatsu. Deux fois championne nationale. Peut assimiler les techniques. Un enfant éternel du football. Ah ben ça. Et ouais, quand il était petit, il a été sauvé par un ballon. Ça t'a plu, ça? Ouais, ça... Depuis, c'est devenu son ami. Yoshi! 50 mètres dash, 15 hon. Wari! Toi, t'as été sauvé par la manette de jeu, c'est ça? Tu parles, hein. Si j'avais pris un camion, je serais mort, quoi. Mamoru Izawa. Ça, c'est le Krillin du... Tsubasa, lui. Lui, il a toujours sa dame de... Moi tu le reconnais. On est vraiment sur la new team là. On est la team de... C'est la team de base. Ça. Donc là c'est... il venait de finir le collège visiblement. D'accord. Donc c'était encore des Chugakusei, ils allaient passer Kokosei. Ah,
Fanae. C'est celle de, du groupe de Owen, ça. C'est Patty. C'est Bruce. Il y a notre... J'osais pas trop dire en français. Tu peux dire le nom, hein. Ah, il s'appelle Paul, je sais plus lequel c'est. Celui de droite, il y a une tête à s'appeler Paul. Je crois que c'est lui. Ah merde, c'est celui de gauche. Oh, pour le coup, je préfère que ce soit full Jap, moi. Bon, par contre, ceux qui connaissent pas l'anime, ils sont un peu paumés quand même, ils se retrouvent à plein de persos. Hein. Oh, mais des fois, je suis en train de chercher aussi. J'ai mis... C'était quoi en français déjà? Lui, c'était Alan. Le goal passoir, comme je l'appelais. Le goal passoir. Mais il a arrêté aucun but. Ça avait rien. Tu sers à rien. Niche pour mieux, ouais, c'est un peu pareil. C'est à rien. Gardien pour nous. Et remplacer quand même Thomas. Oui, ça c'est Olivier Tom. Oui, après c'est Genzo Wakabayashi. Genzo, ouais. Wakabayashi. Oui, les gardiens après les coupes, l'équipe nationale. À un moment, ils faisaient partie de la team, enfin, Nankatsu. Nankatsu. Après, ils partent en Allemagne pendant ouais. 4 ans et après, ils reviennent pour la Coupe du Monde. Comme Ben Baker, c'est pareil. Il part en France pour suivre son père et il revient pour la Coupe du Monde. Oui, la connaisseuse. Oh, à peine. Allez, Roberto est reparti au Brésil, la vie. Hein. C'est au moment qu'il est parti. Hein. C'est au tout début, ça. Hichans qui nous dit qu'on va se régaler. Ah, c'est sûr, je confirme. Après, bon, la mise en scène est, on va dire, un peu pauvre, mais bon, sur ce genre de jeu comme ça, sur les jeux à licence, Fairy Tail fait pas mieux, donc... que ce soit One Piece, Naruto... Mais là, pour le coup, c'est quand même bien, il y a les voix Jap. Alors, je sais pas si c'est les voix officielles japonaises, pour le coup. Mais vu qu'ils ont fait plusieurs animés, je m'en souviens pas vraiment des voix. Il faut savoir aussi que j'ai pas vu la toute dernière saison. Mm. Celle de 2018. Mais les voix, l'air quand même des doubleurs, je pense que c'est des seiyuu officiels quand même. Parce que... C'est peut-être les voix de celle de 2018, oui. Pour le coup. Non, c'est pas prévu, Angel. J'ai trop de jeux à présenter, et donc. Pas pour l'instant. J'ai au moins 40 jeux à vous montrer, donc. Je suis un peu à la bourre, comme dirait l'autre. J'arrive plus à suivre comme les. La connexion de Free. Ouais, comme Free est un peu plus. T'as la bourre complète. J'ai trop de jeux que je voulais vous présenter, au final, c'est pas ça la trappe, hein. Je vous le ferai plus tard. Déjà, on vous fait Tsubasa, on avait dit qu'on le ferait. Alors, Namba nous confirme que c'est bien les seiyuu officiels. D'accord. Merci. Half-time toi. Hum. Omae tachi no jitsuryoku, kyonen to taishite kawatte nai mitai da na. Nani? Omae wa Hyuga-kun. Kojiro. Teme, nani shi ni kiyagatta? Tamatama chikaku ni ensei ni kitan da na. Chousen jo o tataki tsuke ni kita no sa. 挑戦状だ。全国中学生サッカー大会。
俺たち東方学園はお前たち南葛に負けて2年連続で準優勝に泣いてきた。しかし今年は違う。中学ナンバーワンゴールキーパーの若島津はもちろん、他の選手たちの実力も大きくレベルアップした。それに小学生の時の俺のパートナー沢田武史も加わって、東方学園のチーム力は格段にアップした。そしてサッカーは一番上手い選手のいるチームではなく、チームの総合力が一番強いチームが勝つんだ。今年こそお前ら南葛に勝って、vraiment on a eu un palais un jour super fin. Ouais. Mais c'est vrai que ça aurait été bien qu'on en ait un peu comme sur la PC Engine, hein, qui reprend le scénario. Ils ont ressorti les mangas, donc peut-être qu'ils vont ressortir quelque chose. Ouais, mais ils ont ressorti Lamu, enfin Yulsa Yatsula, ils ont ressorti Lama. Il y a plein de mangas qui ont été. Un anniversaire par rapport à la mangaka. Rumiko Takahashi, ouais. Ouais. Je sais pas. Après, je pense que Lama, c'est trop vieux pour qu'ils le remettent pour les jeux. Parce que là, tu vois, là c'est, ouais, mais c'est remis par la Coupe c'est du Monde. Plus vieux, ça, c'est plus vieux, mais je sais pas si Lama pourrait revenir. Je pense. C'est vrai qu'ils ont sorti Fairy Tail, alors que Fairy Tail, ça fait un moment qu'on en parle plus. Mais regarde, Sailor Moon, ça date aussi. Hein. C'est un peu dans le même. Ouais, mais Sailor Moon, il n'y a pas de jeu qui sortent. Ben Presto et Neonko Bandai ne sortent pas. Non, il y a eu le manga. Ils ont réédité les mangas, ouais. Ils ont refait un animé. Crystal, oui, que j'ai acheté, c'est vrai. Bon, ce serait des jeux que j'aimerais revoir, c'est clair. Hein. Parce que moi, je les ai sur Super Nintendo, c'est leur Monnaie Ranma. Pourtant, c'était pas des bons jeux, mais je les avais achetés à sa sortie. Hein. J'étais fan des animés à l'époque. Nita. C'est Patrick en français. Patrick. Le faucon. Ah oui. T'es le vrai con ? Et après t'es le faux con ? Ça c'est moi le vrai con. Bon, la mise en scène est pas faux folle, mais bon. Ça va, t'es quand même dans l'histoire. Ça parle beaucoup. Ouais, comme nous, on parle beaucoup aussi. Pour pas grand chose, ouais, effectivement. Oh. Alors rien à voir, mais il y a longtemps j'avais les 5-6 premiers tomes de Nolitaka. C'est vraiment cool comme manga. Ah, il a pris un but, il y a rien compris. On connaît pas ce manga. Ils sont éblouis. Les yeux tout blancs que j'avais. Le tir du faucon. Ouais, le tir du faucon, quoi. Et dans le manga, c'est comme ça aussi. Quand ils sont impressionnés, ils sont blancs. Ils sont blinds. Alors Tsubasa, normalement, il était plus jeune, je crois. Se font poser des implants au Japon. Mais dans les mangas, des fois, il fait la dame vampire. Ouais, t'as toujours une petite dent comme ça. Mais c'est à la mode, ils se les font vraiment poser. Hein. Il me semble que c'est encore à la mode il y a un an ou deux au Japon. Ah ouais. Ouais. Quelle mise en scène de folie! Ah bah yo. Matane. DTK. Kiero. Kisara.
一緒にプレイしていた時とはまるで違っていた。あのスピードはさっき浦部が言っていたような毎日の努力から生まれているんだ。そしてあの新田という選手が蹴ったボール、彼のボールをトラップした時、俺の足にしびれが走った。あんなことは小学生の時に日向君と激突した時以来だ。今年の大会は簡単には行きそうにないぞ。そんなに気を落とすなよ。あいつらだって一応南葛 SC で全国優勝した時のメンバーなんだし、4人がかりじゃボールを取られたってしょうがないって。そうだよ翼。みんな紅白戦後半はチームを変えよう。俺が 1,2 年生のチームに入る。みんなはもう片方のチームだ。どういうことだろう。いいから始めるぞ。Ah, jouer le didacticiel. Ouais, bon, on va jouer vite fait. Vite fait, quoi. Voilà, pour découvrir le jeu. J'ai... C'est Bob. C'est Bob. Il me semble qu'il s'appelait Bob. Ancien défenseur clé. Celui qui avait pas de yeux. De Shutetsu. Pas de yeux. Avant, cette Tecmo qui s'occupe des jeux, tout ça. C'était Tecmo avant qui avait la licence? Eh ben il court, hein. Ouais, les temps de changement sont un peu longués, sûr. Alors, maintiens R pour accélérer ton dribble en consommant. Tu peux esquiver les tacles avec ZR ou A. Attention, ça s'enfonce dessus. Quelle classe, ça. Eh oui. Chez Kazuki. Magnifique. Ah. C'est du rugby le machin, quoi. Mais qui te prend un vol, quoi. Ah, avec ZR, c'est pour éviter quand le mec il court, en fait. Tu peux perdre le ballon quand même et ça bouffe l'énergie. Avec ZR. Po. Ça déconne pas. Alors, un joint de défense. Bon, bah tu tacles. Ok. Bah, tu foutras un tacle là. Désolé, là je vous lis pas trop, c'est Marika qui va vous lire. Voilà. Oh, s'il y a des gens qui posent des questions, n'hésite pas à regarder le... Tu le vois bien le chat là. D'accord. Moi je pense que... Là je suis en train de rattraper un peu... Moi non plus je suis pas fan des jeux de foot, mais voilà, j'ai aimé Tsubasa gamin, et c'est vrai que... Si le gameplay reste très arcade, ça peut plaire quoi. Honnêtement, ça... En plus, visiblement, il y a des super techniques et tout. Ah, vous allez rejoindre. Ah, je crois dans l'animé en fait. Hein. Honnêtement, ouais. S'il reste très arcade, ouais, ça peut faire. Hein. Ça n'a pas l'air très compliqué. Après, peut-être que le gameplay sera pas très profond non plus. Faut voir s'il en rajoute au fur et à mesure. Ah, mais je refais tout le temps pareil. Hein. Hop. C'est bon, je sais tacler maintenant. Je crois, ouais, j'ai fait trois fois le même truc. Hein. Alors, utilise l'éditeur d'équipe pour modifier la composition de l'équipe, sa formation et les stratégies de jeu. Donc, il y a quand même un petit peu de. Tu vois. Quand même un petit peu, tu peux modifier les strats, tout ça. Donc, c'est arcade, mais t'as quand même des choses. Hein. Tu peux gérer l'équipe, assigner les postes. Mais par contre, ouais, si tu bouges les postes de leur spécialité, ils rechargeront moins vite leur rendu. Bon, bah, nous, on va jouer. Hein. Mon gardien passoire. Morisaki.
Ouais, c'est l'extrémité de la forêt, quoi. Il y a pas au fond de la forêt. L'extrémité de la forêt. Ouais, je sais pas, faut voir les kanji, mais alors là, Molly c'est la forêt et Saki c'est. Ça peut être extrémité sur le kanji. Ça sert à rien, au fond de la forêt, hein, ça rappelle. C'est ça. C'est méchant. Le pauvre. C'est tellement vrai. Oh, dans l'animé, c'était Thomas qui portait, t'as remplacé par lui, t'étais vachement déçu quand même. Arrêtez pas un seul ballon. Tu sers à rien. Gardien pour Noob. Alors effectue une passe courte avec B. D'accord. Alors tu peux exécuter une passe longue avec A. Oh c'est beau ça. Appuie sur X pour exécuter une passe en profondeur et atteint un coéquipier situé à l'avant. La cible de la passe varie en fonction de la durée sur X. Oh, super. Après, je te fais un tac. Oh là, j'ai plus le temps. Alors, la zone V se remplit à chaque fois que tu réussis un tac, un dribble ou un duel. Une fois complètement chargé, tu peux activer une zone V qui booste toute l'équipe avec ZL. Alors, le gardien perd de l'énergie à chaque fois qu'il arrête un tir. Plus son énergie est faible, plus les chances de marquer sont élevées. Surveille de près l'énergie qui lui reste. Donc, le gardien récupère son énergie à chaque fois que l'adversaire réussit à marquer ou à la mi-temps. Donc, en gros, faut user le. Il est où Tsubasa ? Passe à Tsubasa. Ouais, bah d'abord, faut que je trouve Tsubasa, genre. Il me faut là. Visiblement, là, c'est un tuto, faut que je passe à Tsubasa. Il est là, Tsubasa. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau ça. Ouh, il s'est mis de mal, le cochon. Alors, les joueurs dotés de techniques de blocage peuvent les activer contre la moitié de leur énergie. En se déplaçant directement devant un joueur utilisant une technique. Une fois le blocage activé, la puissance du tir diminue et atteint 0, le joueur qui allait tirer perd le ballon. C'est quoi là ? Oh, tu sers à rien ! Que je t'avais dit ? Tu sers à rien ! Au fond de la forêt. C'est ça. Rien. Ça, c'est trop vieux par contre, rien. Pas déconner. Ils connaissent pas les gens. De quoi ? Rien. De quoi ? Tu connais pas Raon ? Non. C'est pas grave, t'es trop jeune. Pas le poisson, non ? Pas le harin, Raon ! Ça pue un peu quand même. C'est là que je prends un coup de vieux, mais en même temps c'est pas ma génération, c'est plus de la génération presque à mon frère Raon. C'est un dessin animé. Ah, Raon. Le blanc ? Oui. Le Tarzan blanc ? C'est ça le Tarzan, ouais. Articule aussi. Il est parqué. C'était bizarre de voir un rouge. Ah, c'est vrai que le rouge, ça y va pas. Ça lui va pas goûté. Alors, les super tirs, un gardien normal n'arrête pas. Tu vas souffrir dans le jeu. C'est ça, Angel. Ouais. C'est pas tout jeune. Hein. Bon, qu'est-ce que t'en penses pour l'instant? Bon, là, on a rien vu encore, mais. Moitié jeu, moitié animé. Il est bien réalisé en tout cas. Puis même le dialogue, on a vraiment l'impression d'être dans un animé. Ah, tu vois, Angel qui dit c'est sa mère qui a les bandes dessinées, donc c'est pour dire que c'est vieux Ram. Je pense que c'est les années 70 Ram. Après, moi je sais qu'il y a eu des rodifs, donc je les ai vus. Ça ressort d'ailleurs un bureau tabac, hein. On sort ta collection entière. Ouais.
俺たちは南葛の戦士だぜ。みんな。お frère des collections。よし、みんな。Mais c'est bien foutu parce que dans les premiers livres, il te filait le couteau de rein, t'avais son collier, t'avais je sais plus quoi. Hein, tu veux pas, je peux aussi. Oui, il a tout donné, mon frère, il a arrêté avec les BD, comme tu connais. Il a bien balardé mes boîtes de Game Boy et de Super Nintendo à l'époque. Culé. Alors. C'est du passé. Tu sais, c'est douloureux. Mais c'est du passé. C'est ça. Passer au match suivant. Koji Nishio, subtilisant le ballon avec une coordination parfaite, c'est un membre défensif crucial du quatuor d'Otomo. Il fait partie de la team Otomo. Lui. Otomo, c'est l'équipe de Patrick, ah. Il me semble. Donc Otomo, c'est les grands amis, quoi. Otomo. Toi, le traducteur. Zenkoku Chugaku Saka. Bah, il vient de le dire, donc ça sert à rien que je le dise. Hein. Il a fini. Honnêtement, les décors sont pauvres. Mais les décors sont pauvres, mais bon, ça fait le taf. Ouais, c'est très limité, on est quand même sur de la Switch, faut pas déconner. Mais, ouais. Après, c'est respectueux. Hein. Mais je dirais que les personnages sont un peu mieux réalisés que les décors. Bon, voilà, on donne chacun notre avis. Ah bah tu m'étonnes, Japon contre Allemagne, c'était le premier match en tuto là qui nous montre. Oh, ça a même peu. Tout ça, on les a entendus au moins une fois. En même temps, là-bas au Japon, les seiyuu, c'est quand même un boulot qui est reconnu. Et quand les mecs ils arrivent à se faire une place, en général, ils ont tous les rôles. Donc, effectivement, s'ils ont refait des. Comme des idoles en fait, là-bas. Ouais, les seiyuu en général. Surtout qu'ils travaillent pas du tout comme les doubleurs français, ils font du meilleur boulot. Ça, le pire, que ce soit les doubleurs occidentaux, américains, français et tout, ils ont vraiment des prompteurs et tout, tout s'écrit. Eux là-bas, ils font tout à l'ancienne encore, ils sont beaucoup meilleurs que nous. Et salut à toi, Mikado. On vous fait le live un peu tard, hein, mais bon. On vous le fait. Ouais, je pense que pour les fans, ça peut être sympa, quoi. Takeshi Kishida. Ouais, mais moi non plus, tu vois, je suis pas fan du foot ou du sport en général. Mais j'avoue que certains animés ont réussi quand même à nous faire aimer le foot. Et je pense que Tsubasa, quand même, mondialement, fait que le foot a... Pas mal de gamins ont fait du foot, quoi. C'est grâce à cet animé que le foot est populaire au Japon. C'est vrai qu'avant, c'était le Yaku. Le sport national, c'est le Yaku, ouais, comme aux États-Unis. Quoi, ouais. C'est les États-Unis qui l'ont importé, de toute façon, là-bas. C'est vrai que quand Tsubasa est apparu dans les années 80, le foot a vraiment démarré au Japon, quoi. Salut Didi, ouais, on vous fait en fait le live. C'est devenu mondial, même. Hein. Bah, t'imagines, ça revient 30 ans après encore, il y a une Coupe du Monde, ça revient, quoi. Peut-être tu vois mieux sur l'autre côté là-bas, au fond. Ah ouais, je vois bien le truc, là. C'est peut-être plus clair là-bas. On a des retours partout. De quoi? Là, Ishan, il veut se faire taper. Viens à l'école des champions. Je crois que tu t'es trompé de générique. Je l'ai chanté hier. Ah, hier, j'ai fait chier avec ça. Viens l'école. À l'école des champions.
pas avec passion. Mon père avec passion, oui. Et donne tout ton cœur. Pour devenir enfin cette baltringue. Oh, c'est une baltringue qui se fait mal à la cheville là. Aïe. À cheville ou au genou, je sais plus où c'était fait mal lui. En bas quoi. Ouais, en bas. Tandis que les vrais c'est là quoi. Et Paul. Ça, wesh toi, wesh. C'est vrai que là, j'essaie de peut-être de me souvenir du générique japonais, je ne me souviens pas du tout de Tsubasa and Little Mom. T'as toujours Olivier Tom dans la tête, nous, tout pourri, mais... Je sais pas s'il y a eu des... Ils ont fait des OST aussi de Tsubasa. Ah oui, il y a... Il y a eu masse, j'en ai, hein. J'en ai un aussi. J'ai oublié de le montrer, d'ailleurs. Le tir de l'aigle. Oh, je pense que là, il y a toutes les techniques qui vont apparaître chaque fois qu'il y aura un nouveau perso. Ouais, c'est un jeu de fan, hein, c'est un jeu de fanservice. Hein. Maintenant, à voir s'ils vont réussir à transformer l'essai. Fairy Tail, c'est qu'un jeu de fanservice, même si c'est un RPG, voilà, il est très moyen, mais niveau fanservice, il fait le boulot. Est-ce que celui-ci fera le fanservice et arrivera à proposer un jeu de foot action type arcade? Là, pour ça, ça n'a pas l'air trop dur, mais évidemment, Bazar, il dit, enfin, Namba, il dit qu'après, on va galérer certains matchs. Mais, alors ça marche toujours grâce à Tsubasa, c'est clair, beaucoup de gamins sont devenus fouteux grâce au club d'O à l'époque. Jeu arcade à fois, il nous dit Mikado. Donc c'est bien que ce soit de l'arcade, qu'ils aient pas fait de la simu, parce que la simu c'est chiant. Angel qui nous dit qu'il y a de super musique dans ce jeu. Angel qui dit qu'il y a de super musique dans ce jeu. On va découvrir ça ensemble. Dans les animés aussi, j'ai beaucoup aimé les musiques, que ce soit dans la première des années 80 ou celle de 2000. Alors Windboon, bah, j'hésitais à le prano, hein, tu vois. J'hésitais encore plus. C'est un jeu où tu incarnes une nénette qui arrive sur un bateau et t'arrives sur une île. C'est un jeu de crafting en fait. D'accord. Faut que tu bouffes, faut que tu survives. Il y a beaucoup de jeux comme ça. Alors certains sortent du lot, mais bon, la plupart des autres se cassent la gueule quoi. Chien a tellement. Hein. C'est comme les Souls-like quoi. Un peu comme Tomb Raider de 2013. Non, Tomb Raider, ils ont reboot la série. Non, là, vraiment, là, on parle de jeu, si tu veux. Quand même. Tu parles de survie, c'est pour ça. Ouais, mais c'est les Dark Souls que je comprends. Si tu veux, ils ont repris le gameplay de Dark Souls, et t'as plein de jeux comme les Metroidvania, ils ont repris le gameplay des Metroid, on appelle ça des Metroidvania, etc. Si tu veux, ils reprennent un genre de jeu que les gens aiment bien. Or, des fois, en apportant leur touche, ça fait quelque chose de bien. Et des fois, ben, ça fait des jeux creux, quoi. Un super sidekick, quoi. Mais qui ça peut être? Et Clifford et Sandy, je crois qu'il s'appelait. Le mec s'appelait Sandy. Sandy, quoi. Il avait une amie? Non, mais il y avait Kilo à côté. Ah, Sandy Kilo. Oh putain, même les blagues de merde de l'époque. Ah, Kojiro Yuga, attaquant de la Toho. Joueur terrifiant qui brise ses adversaires avec des tirs surpuissants. C'est pas un moment aussi où il défonce tout le monde, qu'il arrête pas de tirer, qu'il se met à je sais pas combien pour arrêter la balle? Si. Il y a même un petit trou dans le torse. Ah, ce Yuga, quoi. Quel homme. Si, je crois qu'ils sont 4 ou 5 pour l'arrêter. Ouais, ça me rappelle ça, tu vois. Et que Monsieur Passoir va le ramasser juste tout doucement comme ça. Pas le train. Tu sers à rien. On est obligé d'y mettre des têtes, on y met le corps, allez. Corps et âme. Alors effectue une technique de tacle. Encore? Ça me déconne. C'est que t'aimes ça, c'est pour ça que t'as mis ta mettre. Celui-là.
Donc tu peux recommander. Encore des tutos ? Ou bah ouais, visiblement. En défense, t'appuies sur B pour vous approcher de l'adversaire. En défense, appuie sur B pour approcher l'adversaire et ton joueur. Une fois plus proche, tac là. Ok. Raté. On va essayer. Alors, j'ai passé. On passe vite fait. Bon, t'as pas mal de touches, mais ça va, y en a pas non plus. On peut jouer ? T'as des combos aussi ou pas encore ? Les tirs, en fait, tu parles des tirs spéciaux ? Non, c'est-à-dire avec deux touches, tu peux faire quelque chose de spécial ? Non, non, là, pour l'instant, t'as juste appris à dribbler, à faire des passes courtes, des passes en fond, les tirs. Quand tu maintiens le bouton Y longtemps, tu fais le super tir quand tu remplis la jauge. Ouais. Mais sinon... Moi, je pensais qu'en appuyant sur deux touches, par exemple Y ou avec... Tu roules la tête sur la manette. Non, après, je vais mettre du gras partout. Non, mais je pensais sincèrement que, par exemple, X et Y, ça faisait un combo. Non. Ou A et B, ça faisait un combo. Bah, il a pas marqué le jeu, donc moi, je sais pas, je connais pas. Faut pas te dire. Si vous savez sur le chat. Ah, raison certaines actions. Ok. Mais tu fais du pas sous ta truc. Mais qu'est-ce que tu fais? Truc. Tiens. Ouah, ça c'est beau. Putain, Nita il m'est passé devant comme une... Il a dévié de la tête. Ouf. Oh, il sert à rien, heureusement qu'il a ma tête. Mais j'ai pas test moi. Il y a quelqu'un sur le chat qui a peut-être test. Et non, il a pas esquivé. Tu vois, c'est un vrai Tsubasa, il met la tête. Hein. C'est un corner. C'est bien. Oui. J'y vais. C'est quoi ce dégagement là quoi? Ouais, mais faut maintenir, ouais, que con. Je mettais pas le bouton quand même, gros con. Putain, ce chou. Pas grave, y a personne là pour... Taki, tu sers à rien, mais c'est moi qui jouais Taki. Ah, tu peux vraiment te prendre une grosse claque dans la... C'est tout ça qui est là-bas, là. J'ai fait ça dans la vraie vie, partout ça... Ah, il va quatre sur moi, là-bas, là.
Ah, là, qu'est-ce qu'il va faire, c'est beau. Yeah. La classe. C'est très scénarisé là, par contre, on voit vraiment qu'on est... Allez, relève-toi. Hey, Tsubasa. Ils ont vraiment une défense qui est solide quand c'est chaud, hein. Panto kick. Dokomade hakomeru ka. Tu veux donc. Eh ben tu vois ça, parti ça va là quand. Il a voulu me faire un petit tac là, petit cochon. Si oui, on ferait. Ah, il me fait des super attaques, c'est du coup. Il me fout que des shoots quoi. C'est pas du shoot, c'est du foot. Oh putain, il m'a fait. Tiens, tu pensais que tu fais la même quoi. Le ballon est mon ami. C'est ça. Je crains pas le ballon. Touche pas mon ami. Ah, c'est quoi cette passe de fond? Qu'est-ce que tu fous, Kisugi quoi? Il a déjà joué de vie, c'est ça? Hein? Il a déjà joué de vie? Ouais, c'est dan, c'est jauge d'énergie ça. Oh! Mais vas-y, tu! Allez, tirez, bordel! Ah! Oh! Non, juste. Tsubasa est en train de dormir. Quoi. A réussi à esquiver deux adversaires de suite, un dribble permet d'activer une zone. Bon, tu actives rien du tout. Ah, il a fait ce con. Bon, tu vas pas le faire deux fois, tiens, ramasse tes dents. Mais putain. Les passes deux fois, moi je sais pas les faire, hein. Avec X. Hein. Il m'a eu, hein. Tiens, ramasse-toi donc. Ouf. Les mecs, ils volent. Hein. Oh, il nous fait un tir de là, lui. Bon, bravo. Direct au corner, quoi. Ouais, c'est bien, pour une fois que tu sers à quelque chose, toi. Ouais, je crois qu'il a boosté pour le jeu. T'es dopé pour le jeu, c'est ça? Donc, on va voir qui vole. Tiens, ils nous font des tirs à chaque fois. Eh ben, hey, Tsubasa, putain, c'est Tsubasa qui... Manquait plus que ça. Putain, ouais, vraiment que j'ai plus de vie, hein. Ils ont tellement shooté mon goal que... Fier par prendre un but. Shooté mon goal. C'est ça. Putain, ils arrêtent pas, hein. J'ai touché ou pas? Il y a eu qui s'est pris dans la tranche, hein. Voilà, il y a du monde, on va laisser y aller. Il l'a sorti, ouais.
Ouais, mais c'est scripté, je pense. Ah, le match est scripté quand même. Ouais, je pense que c'est scripté, fallait aller au tir au but. Ah, c'est à couper les citrons alors, ouais. Il est dans, dans le manga, il en parle de ça. Ouais, je suis un 2 étoiles, j'ai essayé de base. Hein. Eh ben non. Mais c'est un truc japonais, ça, les tranches de citron dans du miel. Ouais. Ça se fait chez nous aussi, mais je pense que c'est typique de l'anime, on le voyait dans les temps, quoi. C'est la mi-temps, ouais. Je pensais qu'on était déjà au tir au but. Attends, la mi-temps encore. Ça promet d'être long, hein. Je pense pas qu'on peut gagner. Je pense que c'est scripté. N'hésitez pas à le dire dans le chat. Mais je pense que la campagne doit être un peu scriptée pour qu'on revoie tous les équivalents des matchs, quoi. Parce que là, je pense qu'on tire au but à force. Hein. Ils ont une défense, hein, c'est tombé. Quoi. Tu passes pas, quoi. Hey. Deuxième mi-temps, on y croit, les gens. On change pas une équipe qui gagne. Tiens, mais je te fais la merde. Putain d'IA, quoi. Et Nita est tout seul là, par contre. Eh, chope-le. Eh, Tsubasa. Putain, il a passé Tsubasa. Toi, tu passeras pas. Ah, il y a personne devant. Parce que j'ai un joueur qui va arriver. Putain, mais ils sont où mes joueurs? Sans déconner. Boum. Il a activé une zone. C'est moi aussi je l'active là. Ouais, c'est du rugby, quoi. Putain, il a plus de vie là, quoi, merde. Putain de goal, il va crever à fond, ça. Ah.
Allez, allez, tiens. Quel homme. Tiens. Et là, tu l'arrêtes, tu l'as, quoi, là. Tiens. Ah, j'ai mis un but, quand même. Tiens, il fait que deux fois que j'aille avec un tir spécial, quand même. C'est ouais, mais ils ont une grosse défense, les Otomo. Mais là, faut que j'arrive à tenir. On va jouer là. De ses vols à chaque fois. Et tu vois ça. Et il a même passé. Hein. Ramasse tes dents. C'est nul quoi, tu traverses tout le terrain pour faire une passe de merde. Ouais, ça se voit que je vais te foutre, moi je... Encore assez de l'arcade. Il a réussi à me passer ce coup. Pas deux fois quand même. Oh, c'était beau ça. Petite talonnade. Là c'est gros vol. Ouais. Putain, il m'a foutu. Ah, il va foutre un tir là par contre. Oh putain, double tir. Heureusement ils étaient pas centrés. Ça c'était beau ce qu'ils ont fait par contre. Pas ces tirs. Ah, c'est bien fait quand même. Le mode scénario est vraiment sympa. Je lui fais, c'est pas ça. Tiens. C'est long, hein. Faudrait baisser un petit peu la durée, je pense. Il est renvoyé sur le terrain, il va appuyer sur A ou B pour ses coups. Mais c'est en temps réel au final, c'est 90 minutes. Non, non. Non, mais c'est quand même assez long. Alors attends, X ou B c'est court. Et A, Y c'est long. Ok. Ah bah, c'était un peu trop long, quoi. Et dommage. Il est pas centré, mais... Dommage, Kisugi était pas loin.
この位置で攻守交代だ。ドリブルと見せかけてパス。あっと、この位置でパスだ。さばれ。はい。ロングボールを送る。高杉くん、このパスをカットします。岩見くん、ここは勝負を避けた。木杉くん、このタイムシュート。松田くん、このシュートに反応している。長野くん、シュートを放った。浦部くん、ここはパスを出した。激しいタックル。これは一気に攻め込みたいところ。ゴールを狙う。Je peux pas faire une Je suis pas au volleyball. Je sais pas quoi y jouer, mais ils y jouaient quand même. Un petit corner pour moi. Putain, à chaque fois. Allez! Ichio, Ichio. Mais qu'est-ce que tu fais? Je passe à côté de la balle. C'est l'heure de l'apéro, les gars, ou quoi? Quand il fait final. Ah bah non, on n'est pas allé au tir au but, je pensais que ça serait plus dur, mais putain, ils avaient un bon goal. Tir au but, c'est quand t'es fait prolongation, t'es ouais, toujours... c'est ça. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, là, au bout de match? Moi, j'aime bien. Ouais, ça fait c'est très arcade, franchement, et puis t'as les tirs qui sont bien faits, je trouve, ces petits côtés scénarisés qui sont vraiment... Ouais, j'aime ça aussi. Alors, pour voir comment j'ai joué, 58% de possession contre 42, j'ai beaucoup plus possédé. J'ai fait 31 tirs au but contre 11. Technique réussie, 51 contre 46. Ils ont eu deux corners, j'en ai eu un. Par contre, ils ont activé trois zones V. Moi, j'en ai activé qu'une. On peut revoir les temps forts du match. Mais tiens, on va voir les temps forts du match. Oh, hein. Attends. Oh, toi. On a tellement galéré. Ah, ça, c'était beau, là. Ah, c'est joli, hein, franchement. C'est sûr, ça. Ils les ont bien réussi, les attaques spéciales. Hayabusa shoot là. Ouais, les temps forts sont bien faits parce que ça reprend tous les trucs un peu complètement pété, les mecs qui volent. Ah là, c'est quand je marque là. Allez, rentre dans les cages quoi. Sac à merde. Non, franchement, la technique est pas mauvaise. Hein. Ah, il a fait le double tir. Hein. Bon, après, l'IA est pas folle, mais bon, franchement, pour de l'arcade, pour l'instant, c'est pas gênant. Mais des fois, c'est vrai que j'aurais pu. Il y a des actions qui ont été. Ouais. Ok, par terre, je crois. En tout cas, lui, il en aura fait des tirs à Yabusa. À Yabusa Shoot. Nita ? Ouais, Nita. Yabusa Shoot. C'est comme ça en japonais, ça tire. Ça y a Yabusa Shoot. Ah, d'accord. Bah écoute quand il parle. Écoute. Hayabusa Shoot da. Ah, j'ai compris Yabusa Shoot. Hayabusa. Tu fais une chouette, c'est faux con. Ah, c'est pas pour rien, hein. Que veut bien dire Hayabusa? Et il y en a eu des temps forts. Ouais, sympa. Hein. C'est sympa de les revoir là, honnêtement. Autant sur un jeu de foot classique, ouais, où tu t'en fous un peu des replays. Mais là, c'est quand même sympa les mises en scène. Bon, tu le feras pas tout le temps, on va passer un peu. Non, c'est plaisant, honnêtement. Alors, qu'est-ce que nous dit Chance depuis? J'adore ce jeu avec la maîtrise, ça promet. Je pensais me lasser très sympa, mais pas du tout. Manette à main, c'est vraiment plaisant. Oh, honnêtement, c'est plaisant. Hein.
Puis après, avec des potes, ça doit être sympa parce que t'as quand même le multi local, le multi en ligne. Ouais, non, franchement, c'est pas. Pour un jeu à licence, ça aurait pu être vraiment pire, quoi. Franchement, c'est correct. Hein. Après, je pense que techniquement, la version Switch est un peu en dessous de la version PS4. Mais bon, est-ce que sur PS4 il tourne en 60 FPS? Je sais pas du tout, si dans le chat vous le savez. Là clairement, il tourne en 30. Ils ont eu le collector sur PS4? Ils ont eu le collector sur PS4 aussi, ouais. Mais là, honnêtement, ça tourne en 30 et c'est plutôt stable. Il y a un peu une baisse de framerate, c'est fluide, quoi. Ça reste du 30, mais c'est fluide. C'est déjà la version 1.2. Non, allez. C'est vrai que j'ai pas dit. Alors le jeu... Ah ben ouais, tu vois, moi je suis en 1.1, j'ai pas fait la mise à jour. Ah, moi c'est la version 1.01, tu vois, sur Switch. Donc ouais, j'ai pas précisé. Donc oui, donc on vous a unboxé le collector. Et avec le patch Day One en 1.01 et les extensions, enfin les DLC, pour ça il n'y a pas grand chose. Le jeu en place vous coûtera 840 MO. Mais tu vois, les chances, moi le jeu est encore 1.01. Hein. J'ai pas l'1.02. Hein. Ah putain, ils sont là les copains. Lui, il avait toujours les cheveux devant les yeux. Pour jouer, c'est pratique, hein. Bah justement, quand il jouait, il avait juste un œil. Ah. Et quand il était à repos, il avait juste deux cachés. C'était caché, je suis pas là. Je suis pas là. ヒラド中学の児童広志君と佐野光君だね。そうか。わしらのこともチェック済みか。小学生時代は翼にもライバルがいたが。え、それプロシェンが上位コントロール。なんか翼を荒削りながら。あ、ちょっとやらないでしょ。力を秘めた。 新田という男に出会った。それを一番喜んでいるのは翼自身だろう。翼がより成長するためには新田のような新たなライバルが必要なんだ。そういう意味では児童君、君にも期待しているよ。あんたのお望み通り軟骨中のV3、わしらが阻んでやるたい。 石崎、浦部、負けたぜ。やっぱり軟骨は強かった。約束通り何でも言うこと聞いてやるぜ。何なりと命令しろよ。いいよ浦部、あれはなかったことにしようぜ。そうはいくかよ、男同士の約束じゃねえか。よし、じゃあ 全国大会に行く俺たちを応援してくれ。本当にそれだけでいいのか。ああ、もしとれてたらベスティアーメン。応援してやるぜ。周り負けんじゃねえぞ。俺たち静岡の代表なんだからな。ああ、それは俺たちも頑張ってはみたんだが、やっぱりお前にはかなわなかったぜ。 Et ouais, pourtant il courait 30 km hein, tous les jours, hein, c'était motivé. Pouvoir de l'amitié. Avec le ballon. Ouais. Pouvoir copain avec le ballon. Copain c'est toi. Le ballon c'est ton copain. Copain ballon. C'est un seul ? Non. Non. ありがとうございます。ね、そのコーデ、そのコーデ、中学校。今、一番対戦してみたい選手はいますか？今、一番戦ってみたい選手は美咲太郎君です。
Misaki Taro-kun. Misaki kun toyu to shougakusei jidai Tsubasa kun no partner toshite konbi o kundeita ano. Hai, sou desu. Issetsu ni yoruto zen nippon shounen sakka daikai irai mattaku sakka kai ni sugata o misetei nai tame. Ano kesshou de itameta ashi no kega de saiki funou ni natta n dewa nai ka toyu uwasa mo arimasu ga. Iya, ano Misaki kun ni kagitte そんなことはありませんきっとどこかでサッカーを続けているはずですきっと大空翼久しぶりに見たがまた成長しているな tu confonds peut-être Richard parce que tu vois j'ai mis le jeu à jour et ça n'a pas marché mais il y aura des mises à jour hein, je pense三上さん、ドイツでの研修、お疲れ様でした。ああ、片桐君、久しぶりだね。ドイツ留学中の若林君はどうでしたか。相変わらず頑張っているよ。ハイレベルなプロ選手の中で揉まれながら、めきめきと力をつけている。もうわしのコーチがなくても大丈夫だろう。そうですか。となると。あとは翼の永遠のパートナー三崎太郎だな、yeah. しかし彼は小学校以来まるで消息がつかめていない三崎のお父さんは画家で小学校の時は転校を繰り返していたと聞く彼がサッカーをやめるはずはないしかし彼ほどの選手は話題にならないはずもない mais oui. となるとあるいははい、もしもし。なんだって。とか、c'est très scénarisé。Bon, ça te. Mais après, voilà, t'as des grosses phases de match aussi, ça passe quoi. Après, si tu veux faire un match à un double, tu le dis. Toi, tu vois comme un animé, comme d'hab. Nankatsu ga zenkoku taikai yuki o kimeta yokujitsu. Nihon kakuchi demo.続々と代表校が決まっていったチームのほとんどの選手が小学生以来同じチームでプレーしていることから生まれる抜群のチームワークと連携を持ち味としキャプテンの松山を中心に素早い攻撃と粘りの守備を展開する全員サッカーのチーム北海道代表フラノ中フラノ誰にも真似のできない特殊なあ、フタコバスでジュモさんゴールポストをも利用した Tachibana. アクロバットサッカーを得意とし、チームの得点の 90% を叩き出す。双子の中心選手、タチバナ兄弟を擁する。秋田県代表。ね、そう、いっタチバナ、いっそだ、レコレッジでハナワが。全国屈指のゴールデンジャパニーズ。三年連続全国大会出場を目指した。何は中央。激闘の末に破った。中西。中西。東一中。そして東京でも。え、j'écoute pas trop en même temps, je vais te dire. さあ、東京都大会決勝もいよいよ後半戦終盤に差し掛かろうかというところ。フィナーレ・レジオナル。前半に中学ナンバーワンストライカーの呼び声高い全国大会2年連続得点王の東邦学園修学君がハットトリックを達成。対する武蔵中。小学生全国大会で活躍しながらも過去2年間持病の心臓病治療のためにサッカーを封印してきたはい、それからプロモカー三杉淳君が途中出場しフィールドに復帰1試合に30分という制限時間はあるもののブランクを感じさせない見事な活躍今大会無失点だった中学生ナンバーワンゴールキーパーの若島君から1人で2点を奪いましたC'est Gol Lato ça C'est Gol Lato ah, c'est ça, Ed Warner. Ed Warner, ouais. Je vais vaincre こんなところで消えてたまるか。見すぎ。抜け。ごめん。
sa physique comment, le cœur va lâcher. Ouais. Il va s'effondrer, je crois. Ouais. C'est comme dans l'anime. Ouais, ça reprend les moments de l'anime, là, de toute façon. On est dans le scénario de Tsubasa. Que le robot continue, il va les deux. Ouais, mise en scène un peu... Mais bon, ça va encore. ここだ。任せだと、ホンナ。一ノ瀬君からのラストパス。これは決定的な形。本間君と若島津君、1対1だ。若島津君、懸命に飛び出す。もらった。お前らに3点目はやらん。 Il apprend la truc, non. C'est classe. Nani? Kurewa? Tomebasta! Wakasumazu-kun! Musashi no shunen no kogeki wo Wakasumazu-kun no goal wo mamoru shunen ga ubawatta! Lui, c'est pas une passoire. Moi je pensais qu'il allait s'effondrer, Et l'autre avec ses yeux tout, tout fixe. Ouais. L'autre avec ses yeux tout fixe, je crois que ça va. Ouais. Dani. Sawada. Ah. Kojiro. Zuibun yasashiku natta mon da na. Ano. Donata desu ka? Koko wa senshita kankeisha igai wa. C'est son ancien chicho. Kira kantoku. Kira. Kapiten ya ore. Takeshi mo. 小学生の時の監督だ。小次郎、さっきお前は倒れた三杉に恩情をかけたな。だが昔のお前はそんな男ではなかった。一度グラウンドに出たら勝つために優しさを捨て厳しさだけを持って試合に臨んでいた。昔のお前ならあの時三杉の心臓を蹴破ってでもゴールを目指したはずだ。 父親を事故で亡くし、家計を助けるために働きながら厳しい練習をしていたお前。そんな逆境にありながら必死にサッカーに頑張るお前をチームのみんなは慕いついていっていた。だが東邦学園に入りサッカーだけに打ち込めるようになると、あの頃のハングリー精神を失い、小学生の時のような 燃える闘志の炎が消えてしまった。今のお前は牙の抜け落ちた檻の中のトラよ。そのままではたけしや若島津他のチームメイトもお前についていかなくなり、ついには成長を続ける大空と翼にも手が届かなくなると。見てるよ、あれ、僕は。グルシア。 Okinawa, pourquoi? Parce que les bronzés vont à Okinawa, c'est ça? Raciste. Kiba no nuketa tora. Kieta toshi. Captain.
Hyuga-san. Ah là, ça reprend l'animé. Bah normalement, ouais, d'après ce qu'il disait. Ouais, il sermonne pour se remettre en question. Et après, il repart tranquillement. Je préfère la mort à la feuille morte. キャプテンが。いいパス。ヒューガさんが寮のどこにもいません。どこにもいない。この大会直前に飛ぶよことだ。多分キャプテンはキラ監督のいる沖縄に。沖縄だと。キラ構造沖縄少年サッカースクール。ほらどうした。 Avec le pif bien rouge, non d'accolé. Ah, tu le vois toujours avec sa petite bouteille. Hein. À la main. Coach perso de Wakabayashi depuis l'école primaire. Il l'invite à venir s'entraîner en Allemagne. Je le confonds avec l'entraîneur de la tour à chaque fois. Moi, c'est celui qu'on a vu juste avant. Non, celui qu'on a vu, c'était l'entraîneur de la tour. Oui. Et aussi l'entraîneur de Thomas. Oui. Les Allemands. Sixième tournoi national de football de collège. Non, mais je crois que c'est Kana, l'entraîneur personnel de Yendo. Ah, d'accord. Il part avec lui ou en Allemagne. D'accord, là. C'est peut-être ça qui était marqué, j'ai pas bien écouté. Catapulte infernale. C'est le tir rasoir. Non, c'est tacle rasoir, pardon. Tacle rasoir. Je crois que c'est pas mal. Je les aimais pas. Ils m'énervaient. On dirait un rugbyman, lui. Ils sont très bagarreurs, c'est tout ce que je me souviens. C'est Fifi. En tout cas, c'est assez fidèle à l'anime, visiblement. Oui. Et on est que sur la première partie, parce qu'après, t'as la partie où tu crées ton perso et tout, donc ça a l'air assez complet quand même. Après, tu peux choisir tes personnages ou pas? Ou juste ton équipe pour... Tu choisis l'équipe, hein. Après, est-ce que tu peux en construire une et tout? Je pense pas. Je sais pas, honnêtement, on a parlé tous les modes, là on est vraiment dans la découverte. どっちにしろ戦う相手すべてを倒さない限り優勝はないんだ。そう考えればどこに当たろうと同じことよ。
まあそりゃそうだけど、しかしみんな燃えてるじゃんか。当たり前よ。俺たち3年生はこれが最後の大会、一度だって負けてたまるかってんだ。そうだみんな、その息だ。東一中は守りのチームだ。大阪府大会も失点ゼロで勝ち抜いている。その守りの主力は相田誠、関西ではエースキラーの相田と呼ばれているらしい。必ず相手チームのエースのマークにつき、ボールだろうと足だろうととにかく止めに来る。Salut à toi Samy. De ce qu'on a vu pour l'instant, ça a vraiment bien, ouais. On a vu que le mode Tsubasa, quoi. Mais après, en game, ça se les joue honnêtement. C'est du foot arcade. Tu l'as joué toi ou t'as regardé que des vidéos? Ah, je me rappelle lui du colo basque, mais pire que. Il y a le Kika. C'est l'heure de la pause. Mais le gameplay, franchement, au début c'est simple, mais quand tu avances un peu, il y a plein de techniques qui reproduisent les... Ouais, c'est ça. Par contre, on voit les trucs qui popent au fur et à mesure, quand même. Non, ouais, ça va, c'est... Je dirais que c'est juste correct les décors. Mais les personnages sont bien faits par contre. Il y aura des patchs, non? Tu penses? Pour l'améliorer graphiquement, je sais pas, on est sur Switch. Faut pas oublier qu'on est sur une console portable, donc. Je sais pas, faut voir la version PS4 s'il y a vraiment un gros cas. Je pensais que ça faisait partie. C'est les DLC. Ouais, les DLC, c'est. Ils rajoutent du contenu, mais ils refont pas les graphismes. C'est très rare. On est sur. C'est Bandai Namco, hein. On n'est pas sûr du CD Projekt, hein. Donc ils vont pas améliorer le jeu, je pense. Peut-être améliorer le framerate, mais vu que là il est stable, je pense pas. Après, c'est jamais, hein. Il y a un mode où on peut créer son perso. Ouais, ça c'est le mode New Hero là. C'est, Ouais, il y a l'air d'avoir du contenu, hein. Ils ont pas été radins, hein. Autant j'étais un peu refroidi par le Fairy Tail. Je trouve qu'ils auraient pu faire mieux. Ça t'a déçu. Ouais, c'est pas japonais. Ça t'a déçu. Chotokuyashikatta. あいつが大阪の決勝戦で、あの中西から決勝ゴールを奪った、相田誠だぞ。まあ、相田、je le nomme ou quoi。j'ai de bonne merde。jouer didacticiel、effectuer les techniques de dribble et de tir, reste-tu? Premier ami de Tsubasa Nankatsu et futur coéquipier, défenseur connu pour ses contres du visage. Ah bah tu m'étonnes vu sa tronche, hein. Fallait bien qu'il apprenne, quoi. Joufflu. C'est le Krilin avec un peu plus de cheveux, quoi. Donc il y a une tête de Krilin, je crois. C'est toujours le mec qui est derrière, son poteau, mais qui vaut pas grand-chose, quoi. Mais il est là. Il est là. C'est poteau. Oui, tu c'est sers. Ariel. Un peu comme moi, je suis poteau, mais je sers à rien. Tu veux la manette? Tu veux jouer? Pas dans la gueule? Non, pas dans la gueule. Maintiens Y. Maintiens Y. Pas d'un dribble pour remplir jauge de tir. Tu peux charger ton tir juste après ce qui vient de dribble. Il y a deux jauges, t'as la jaune et la rouge. Ouf. Échec. Alors essayez. Là il faut appuyer sur R après sur Y. R c'est pour accélérer. Yeah!
pas marché comme il y a l'autre. C'est toujours pareil, c'est maintien Y, pas un dribble. J'arrive pas à passer le deuxième, je sais pas pourquoi. Esquive des adversaires, déclenche un tir, ouais, mais le deuxième il me fout une tacle. Pourtant il me dit pas d'esquiver avec un autre bouton que R. Hein. Ouais, il doit y avoir une autre touche à appuyer, mais je pense pas que ce soit Y, il doit y appuyer sur Y quand même. Ouais, je comprends pas ce qu'il veut que je fasse. Non, ça marche pas si. Je peux essayer. Ah ouais, c'est pas Y, il te dit Y, mais c'est Y, c'est pour le tir. D'abord, faut faire l'esquive. TP pour quitter. C'est bon, je sais pas, c'est R qu'il faut appuyer. R, c'est pour faire les dribbles. T'as ZR pour faire le dribble plus détaillé. C'est bizarre, s'il dit pas de faire un dribble spécial, donc. Deux fois avec R, ça passe pas. Et ZR. Et là, tu laisses Y appuyer. Fallait laisser Y appuyer. Donc, tu vois, c'était ZR, je sais pas pourquoi, le tuto était bugué. C'est t'appuies sur R pour le premier dribble, ZR pour le deuxième dribble, et dès que t'as fini le deuxième dribble, tu laisses Y appuyer pour faire le tir. Tu veux le faire, hein. Non, vas-y, fais-le. Mais moi, je sais pas pourquoi ça bugué, tu vois. Ah, ZR, moi c'était pas appuyé tout à l'heure, et là tu laisses Y appuyer. Ah, tu charges pas le tir. Tu vois, t'as le tir qui est pas chargé. À chaque fois j'appuie et... là, c'est là en fait. J'ai compris mon erreur. Voilà, lâche-le. Fallait lâcher avant de sortir de la zone jaune, sinon tu fais pas le tir. Rien. Putain, moi j'ai pas maintenu mon tir non plus. Qu'on est mauvais, on est mauvais. Ah, j'avoue. Bah au moins c'est que ça prouve que ça devient un peu plus technique, hein. Bon, maintenant il y a trois touches à appuyer si on n'y arrive pas. Et toi, là, il n'a pas pris le bâton. Oh. On va y arriver. Gambatté. Ouais, c'est l'heure du café, normalement, c'est pour ça. C'est l'heure du café, je pique du nez. Tu maintiens et tu lâches. Comme ça. L'heure du café. Ouais, on va faire une petite pause, on va revenir les gens. Oh, c'est l'heure de la mi-temps. T'es la mi-temps, c'est ça. Allez, on revient tout de suite.
Heureux pour ceux qui sont pas partis de rage et de désespoir qui ont le live kick. Ça, fait tout le monde s'est barré, boire un coup. Les copains, alors. Copains. Ah. Comment c'est le match contre les Asmo. La pause café, quoi. Bon, je pense qu'on fera ce match-là et on arrêtera la live. Hein. Mm-hmm. On continuera un off, nous. Autrefois capitaine des Pampangers. Elle soutient Tsubasa. Des Pampangers, mais c'est plutôt des supporters. Ouais, c'était des Owen parce qu'elle tapait sur les tambours. Hein. Ouais, c'était un garçon manqué. Ouais. Ouais, mais elle était vraiment dans le groupe de Owen, quoi. C'était pas une cheerleader, quoi. Ils l'ont mal traduit, quoi. Parce que c'est cheerleader, normalement, Pampangers, donc... Nickel, ouais, c'est vraiment le groupe de Owen au tambour. Elle tapait, quoi. Avec le drapeau, le bandeau sur le front. C'est ça, il chante. Le café tout prêt, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, il était prêt. On est prévoyants. Me bloque pas mon tir, je suis devant les cages. Ah bah si, c'est le mec, voilà, le Colobasca. C'est ça son tacle rasoir. Ouais. La classe. Il m'a encore coupé les jambes. Tiens, prends ça dans ta gueule. Tiens, ramasse-toi dans toi. Ah! Fusil dans la gueule! Fusil dans la gueule, c'était cul! C'est un des voyous! Ah, par contre, l'IA, elle aime. Ah! Ah, t'as quitté, pas loin, hein? T'as quitté ou t'as quitté, quoi? Il a réussi à me passer. Ah dommage, ouais, je fais une passe en profondeur mais il y a personne quoi. Et tu l'as eu dans le cul en profondeur là. Sois pas vulgaire comme ça. Ah putain, il y aura. Ah, merde, il m'a bien eu là. Allez, cours, Taki. T'es au taquet, mon gars. Mais j'ai personne pour centrer quoi. Avec Taki t'as personne. Avec Taki y'a personne là. Ah, tu parles, c'est pas passé deux fois quoi.
Ah, je suis là. Touche. Il y a personne avec un combat. J'ai bien niqué sa jauge au Google quand même. Son énergie? Ouais. Il m'a fait un beau tacle. Va tenter une passe. Oh joli, c'était beau ça. Ah putain, y'a personne devant quoi. Allez, cours. Putain, mais j'ai personne. Putain, mais c'est pas ça, t'es pas là. T'es où? Allez, là tu y es quoi. Allez. Putain, il fait de ses tacles à chaque fois. Non, mais c'est Soda en même temps, il est tout le temps sur. Ouais, sur les chevilles. Ouais. Et putain, mais je suis. Ils sont où mes joueurs là? J'en ai aucun sur le côté quoi. Eh, mais c'est bon. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Il y a tes conneries, hein. Putain, Soda quoi. Ah, il a pas senti ce quoi. Putain, c'est fou. Putain, c'est fou. Ouais, on remet en profondeur. Je veux des abishi tacleux, on est enfilé comme. Putain. Ah, la musique est vraiment bien. Ouais. Donc il suffit. T'as une taclage, ton super tir, tu fais que de la merde. Mitam. En tout cas, ouais, c'est rythmé les matchs. C'est vrai que l'autre, comme il marque tout le temps Tsubasa, c'est comme dans l'anime, quoi. Et tu peux rien faire. Alors, je sais pas comment il le gagne à la fin. Je m'en souviens plus. Tsubasa's speed est parfaitement suivi. Et en plus, il y a Tsubasa's dribble pour arrêter le dribble. Au début, on va mettre plus d'énergie pour ne pas se faire mal. Ça va. Au début, on va certainement gagner. そうともよ。みんな焦るな。焦って固くなっては相手の思うツボだ。いつものプレイをすれば勝てるぞ。はい。こんなところで負けてたまるかよ。翼、マークがきついと思うが頼むぞ。 みんなの士気が上がっている今、怪我のことを知られてはまずい。学ぶ、ちょっと。 Ah, Arthur. Hein? Il y a longtemps. Oro, Okawa-kun. Manager, ちょっと早く来て。 Hein?
Qu'est-ce qu'il nous prépare ? C'est pas l'épaule, ça, j'aime la brogue. Mais je me demande si elle a crevé à l'épaule et la cheville en même temps. Bon. よし、前半はうまくいった。守りのチームの俺たちにこの展開は絶対的に有利だ。それにいい知らせがある。奴は大空翼は足を怪我してる。間違いない。 本当だ。翼が怪我となれば、あと南葛で怖いのは木杉、滝、伊沢だ。滝と竹目、やっぱり。これさばけんみたい。よっしゃ、この調子で後半も行くぞ。南葛を倒すのは俺たちだ。いやいやいやいや、違う。南葛が勝利だ。はい、そっち。 Je pars de la possession. Putain de gol, quoi. Dans la tête. Ouais. Jacques, il a mal à la jambe. やばい。翼くん、ボール奪取成功。翼、このタックルは不発に終わります。翼くん、センターラインを越えて攻め込む。あっと、奪い返した。かわして振り切った。伊沢くん、激しいタックル。ここはパスに切り替えた。 敵陣へ攻め込みます。長野君、シュートだ。辻君、ゴールを守った。パスを回す。素早くつなぎます。木杉君、ダイレクトでパス。長野君、ゴールを狙う。辻君、これはキャッチできない。さあ、ゴールを抑えた。決まった。決まった。長野君。 Ah putain, il était pas revenu de leur jeu, quoi. Ils y foutent. Hein. C'était pas bien les gars ou quoi? Putain, il a passé Tsubasa, ce con. Il a des vues de tous les côtés. Oh putain, il a. Oh putain, mais. Il joue.
ドリブルと見せかけてパス。体ごとぶつかっていった。よし。翼くん、激しいタックル。すでに後半も半分が経過。ここからの1点は非常に大きな意味を持ちます。翼くん、ここから打ってきた。T'es man 2 étoiles, ça, il se défend, c'est cool. ここからチャンスを作るか。スライディングです。いいスライド感じ。林くん、素早く横にかわす。岩野くん、ここは抜かせません。このタックルは不発に終わります。佐々木くん、ボールタック成功。小野寺くん、パスを出します。チャンスが決まった。岩野くん、ここは勝負を避けた。ドリブルと見せかけます。黒松くん、ここは好きにさせません。なんかつ慌てて守備に戻る。止められない。スライディングで止めた。パスを回す。佐々木くん、ここは勝負を避けた。体ごとぶつかっていった。小野寺くん、横にかわして突破。ここから打ってきた。と止めた。Oh, jamais ils n'ont pas fait un tir, c'est con. Il n'y a pas d'arbitre dans ce jeu. Un option. ダイレクトでパス。長野くん、ここからチャンスを作れるか。ここから一気に攻め込みたいところ。シュートを放った。大谷くん、激しいタックル。アップ。パントキックで大きく蹴り出した。サーブを出します。伊沢くん、ダイレクトでパス。後半もすでに30分が経過。ここからゴールは生まれるのか。山田君、ここで止めた。東第一、それ鋭い刃のごとく相手チームに襲いかかるのか。これはタッチを落とす。スローインからの再開です。ダメ、プロガーション。スライブ、素早く横に倒す。Tu vas prendre un tag celui-là. Ah, quand même!Ah, mais là, faut pas que j'en encaisse un, quoi. Ksso, mamma to shite yarareta ze. Demo, minna, anshin shiro. Ore no kamisori shuto de ten o totte yaru. Soshite, ore no kamisori shuto wa nimai ba yo. Ouais, nimai, ouais. Peut-être foutre où je passe.Je fais une passe adversaire. Tiens, ça y va, allez. Ouais, c'est bon. Eh ben, on aura fini quand même, monsieur. On a eu chaud. Ouais, au moins on finit sur une victoire, c'est déjà pas mal.
Alors, qu'est-ce qu'on aura pensé au final de cette petite découverte? Déjà, le collector, bon. Bonne, très beau, ouais, bonne pioche. Et, il vaut son prix. Ouais, 120 euros. Ça. De quoi faire plaisir aux fans. Mm. Le jeu est plutôt bon. Ouais, très type arcade, mais on n'en attendait pas plus pour un Tsubasa, donc. Puis on n'a rien vu, là, honnêtement, on a fait que. Pourquoi, enfin, toi et moi, on n'aime pas le foot. Ouais, c'est pas notre cas. On passe un bon moment, là. Ouais. Donc c'est vrai que ça peut faire le taf, même. Après, il faut voir si ceux qui pratiquent le jeu de foot, est-ce que ça leur plaira. C'est très type arcade. Mais ouais, je pense que ça reste quand même plaisant à jouer, honnêtement. Oui. Faut voir après des parties, hein, quand tu joues contre. Là, c'est de l'IA, donc. Faut voir joueur contre joueur, nous c'est ce qu'on va faire après, là, après le live, pour tester un petit peu comment ça donne. Oui, le basket. C'est mieux. Le basketball, c'est mieux. Ah, basket, j'ai baseball. Non, franchement, c'est pas mal. Graphiquement, les personnages sont bien faits. Oui. Les décors, un peu moins, je trouve. Moi, je trouve bien. Après, moi, je suis pas habitué non plus au graphisme. Ouais. Après, ouais, bon, non, le jeu est fluide, on n'a pas eu de ralentissement tempestif ni rien, donc c'est du 30 FPS. Le chargement qui te gênait, toi. Ouais, chargement un peu long, je trouve. Mais sinon, après, ouais, ça reste quand même sympa. Hein. Ça reste quand même sympa, je trouve. Non, ouais, ça fait plaisir. Hein. Ouais, pour le coup, je trouve meilleure adaptation que le Fairy Tail. Pourtant, le Fairy Tail, c'est du RPG, j'aime les RPG, tu vois. Mais il y avait un peu trop de... Ouais, mais t'avais plus d'attentes sur le Fairy Tail. Ouais, j'ai plus d'attentes sur Fairy Tail. Ouais, c'est vrai que là, j'en attendais rien. Je l'ai pris vraiment pour toi à côté. Hein. Comme je sais que t'es fan de Tsubasa. Moi, j'en attendais pas grand chose. Mais ouais, honnêtement, agréablement surpris. Hein. Là, je pensais pas que. Ça te fait jouer au foot, quoi. Mais c'est pas. Après, il a l'air complet quand même, tu peux au niveau. Si t'as aimé l'animé, ouais. Tu reviens. Je pense que ouais, ceux qui ont aimé l'animé peuvent. C'est une bonne pioche, honnêtement. Faut tester, on va tester les autres modes, nous, de notre côté, et on reviendra vous en parler au pire. Mais ouais, ça respecte bien l'animé. Plutôt sympa, hein. Et donc le manga, parce que le manga ouais. Est vraiment adapté par l'animé. Bon, peut-être la mise en scène est un peu minimaliste, mais bon, ça va encore. Ils sont pas tout le temps statiques, les persos bougent un peu. Je pense qu'aussi, ils ont pensé que ça soit grand public et au jeune âge, peut-être aussi. Non, c'est une question de thune, après la mise en scène, tu vois. Mais ça bouge un peu quand même, mais. Ils pouvaient pas faire une mise en scène tout en dessin animé, mais t'en vois certains, quand il y a le budget, ils font des grosses mises en scène, mais là, on va dire qu'elle est pas non plus... C'est correct. C'est du foot aussi, donc... Bon, honnêtement, sur Fairy Tail, la mise en scène est moins bien faite. C'est encore plus statique, Fairy Tail. Ah ouais ? Ouais. Il y a très peu de... Pourtant, Fairy Tail, c'est vraiment un manga où ça fait du lourd, quoi, mais... Là, pour le coup, je trouve qu'ils ont fait plus un effort au niveau c'est de... C'est dommage qu'ils aient pas fait la scène avec la vague. Mmh. Ah, quand il est à Okinawa ?東方学園のキャプテンでありながら、この大事な時に勝手な行動を取ったこと、わしは絶対に許さん。何？この大会、お前は使わん。監督。 Non, honnêtement, il y a quand même un peu de la mise en scène, les décors changent derrière. Ah, ça bouge pas trop. Les musiques sont bonnes, ouais. Non, je pense que ça vaut bien son petit 14 ou 15 sur 20. Hein. Si je devais y mettre une note là, juste pour la découverte, pour la soirée, bon moment. Et ils sont sur du smartphone quand même, donc c'est pas l'Olivet Tom qu'on a connu. Hein. C'est sûr. Ils l'ont modernisé un petit peu quand même. Même les vestiaires, c'était pas ça dans l'anime. Mais tiens, c'est Genzo. C'est Tom. C'est Thomas Price. Le juste Price. Non, honnêtement, c'est sympa. Les décors changent un peu. L'animation est pas folle, mais. Non, bonne pioche. Je n'attendais pas tant.
Ouais, mais tu vois, c'est pas fou. Mais voilà, ça suffit. Je pense que ça suffit pour la... Il y a le côté fanservice, mais après... Faut voir sur le... Voilà, quand t'auras fait tout le scénario, etc. Est-ce qu'on y reviendra avec des potes ou est-ce qu'on fera du multi, du en ligne. C'est ça qui fait qu'un jeu vit à l'heure actuelle. Tu vois, GTA 5 à l'heure actuelle, il vit que par son multi, quoi. Donc des gros... Je pense pas que ça sera un gros jeu comme ça. Mais s'il vit un peu, s'il y a un multi, et que voilà, si on peut faire des parties de temps en temps, tu vois, en local, pour nous, ça suffit largement, quoi. En plus, on finit sur ce brave Genzo. Et Misaki. Et finit avec de l'allemand. Ben est en France, donc ouais. C'est juste à côté. Asvidarden. Il aurait pu dire en français au moins, quoi. C'est un japonais, il dit rien, il n'y a pas mot d'allemand, c'est juste la traduction française qui a mis ça. En tout cas, j'espère que ce live sur le chat vous aura plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. À nous laisser des retours. À liker, à partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Activez la cloche. Et si vous voulez voir Marika dans d'autres lives, n'hésitez pas à le marquer. Activez la cloche. Activez la cloche. Ça tombe bien. C'est ma cloche à moi, quoi. Eh bien écoutez, on va vous laisser là pour ce soir. Merci à tous qui seront passés, donc n'hésitez pas surtout à nous laisser les commentaires. C'est ce qui fait que la chaîne, on aura de plus en plus de visibilité et on pourra vous faire de plus en plus de vidéos. Et on vous dit Gianni.